Bonjour à toutes et à tous. Ouais, on peut dire bonjour parce qu'il est midi, donc on va pas faire le coup du bonjour ou bonsoir. C'est pas la peine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le retour de la K-League sur les lives de Hello. Ça faisait un petit moment que l'on n'avait pas fait de K-League, que l'on n'était pas allé du côté de la Corée du Sud. Donc voilà, ça va faire du bien de se reposer là-dessus. Salut à ceux qui sont déjà dans le chat, je vois ma foi Letko et un autre Nico. Je vois que Baptiste nous souhaite bonne nuit. C'est pas encore Baptiste, parce qu'en plus la journée va être assez longue sur Hello TV, puisque ce soir on sera à nouveau de retour pour la soirée, une soirée nord-américaine pour le coup. Mais on n'en est pas là, on est sur la K-League et j'ai dit Baptiste parce qu'il est là, il est avec moi, vous allez entendre sa douce et chaleureuse voix. Salut Baptiste. Bonjour Nico et bonjour à tous dans le chat. Et je disais bonne nuit parce que je voyais les messages précédents, c'était bonne nuit. Et ouais, parce que c'est l'une des particularités en fait de Kick, c'est qu'il n'efface pas, il ne remet pas le chat à zéro avant les lives. Donc tu gardes tous les anciens messages. En fait, il y a un moyen de le faire, mais ça effacerait absolument toute l'historique du chat. Et puis en fait, franchement, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Comme ça... voilà. Mais c'est effectivement, ça n'efface pas l'historique. Alors que Twitch, quand tu démarres sur Twitch, tu repars à zéro sur le chat en fait, à chaque fois. C'est ça. C'est pour ça que je me disais pourquoi on disait bonne nuit. Donc j'ai répondu bonne nuit. Bah voilà. Voilà. Bref, bonne nuit, c'est pas l'heure, hein, parce qu'il est midi. Il est midi et donc midi, c'est Asie forcément et Corée du Sud. On est sur voilà. On a. J'ai presque envie de dire que c'est quasiment notre rendez-vous traditionnel de la K-League. Hein, Ulsan Jeonbuk, C'est le match qu'on rate rarement quand même. Hein. On a dû rater un ou deux ces dernières années, mais généralement, c'est le match qu'on fait obligatoirement, hein, Baptiste. Effectivement, et surtout depuis quelques saisons, depuis qu'on a commencé les lives, parce Exactement. Que c'est les deux meilleures équipes en fait, du championnat. Donc, on est dans le duel et dans le choc au sommet. Donc, c'est sûr qu'on ne les a pas manqués souvent. Et on a eu quelquefois des bons petits matchs. On espère que ça sera le cas aujourd'hui. Ouais, et ben justement, tu disais ce sont les deux meilleures équipes. Avant qu'on regarde un petit peu du côté des compos, les équipes sont prêtes. Je vais juste donner l'indication. Si vous voulez voir les images, c'est gratuit, c'est légal. Si vous voulez avoir les images, ça se passe sur K-League TV. Vous mettez point d'exclamation K-League et vous aurez le lien direct vers le match. Voilà, je le dis, c'est gratuit, c'est légal. On avait fait une vidéo là-dessus. Donc sur tous les moyens légaux de voir les matchs de la planète Hello et la Corée du Sud a sa plateforme à elle, la plateforme K-League TV, la sienne, c'est la Fédé, hein, c'est la Ligue. C'est quoi, Fédé ou Ligue? Je sais plus comment ça marche. La Ligue, c'est la Ligue. Ouais. Donc c'est comme si la LFP avait sa plateforme en France pour diffuser à l'international parce que c'est disponible dans tous les pays qui n'ont pas de diffuseur officiel. Si je ne me trompe pas, tu me corriges hein, si je me trompe ou si ça a changé. De diffuseur TV. Ouais, de diffuseur télé. Chez nous, on a One Football, mais comme ce n'est pas une télévision, on a quand même accès au match. Et One Football qui d'ailleurs, je pense, reprend le signal de K-League TV, tout simplement, en fait. Oui, je ne sais même pas s'il n'y a pas l'audio de K-League TV sur One Football. Tu vois? Je ne sais pas. Ayant K-League TV et n'aimant pas spécialement regarder des matchs sur mon téléphone,
Je n'ai pas regardé sur OneFootball. Je crois que j'ai regardé une fois, mais il y a quelques temps. Et depuis, j'essaye de regarder sur un ordinateur parce que c'est beaucoup plus simple, sachant qu'il y a toujours deux ou trois matchs en même temps. Ouais, exactement. Et vous voyez, j'ai changé l'écran. C'est parti dans ce match. Avant de regarder les compos, il n'y a pas les commentaires anglais, nous dit Letko, sur cela. Sur OneFootball? C'est pas possible. Ouais, c'est possible. Donc j'ai laissé passer le goal de Mipaïs et merci pour le follow à Figo. Ah, c'est bien ça, on revoit un ancien qui est en train d'arriver, un ancien de Twitch qui arrive sur Kick. Bienvenue à toi. J'ai lancé le chrono. On va juste planter un tout petit peu le décor. Exactement, premier goal de Mipaïs de la journée. Et c'est bien, c'est très bien. Et Figo est le 99e follower, hein, plus qu'un, et on arrive à 100. Voilà, pour dire les choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant de regarder les compos, attention peut-être à cette première offensive de... Doulsan, ça va être compliqué le blanc contre... C'est John Book d'ailleurs qui joue en blanc. C'est ça, et hein, je me trompe pas. Qui joue... Ouais, non, c'est non, ça, John c'est Adam qui est devant, je reconnais le bûcheron. Et Doulsan est dans un, bleu... Enfin, alors, c'est pas un maillot Sernd, c'est un maillot spécial été qui a été lancé cette semaine et donc sur lequel il joue. Et si vous voulez avoir une très belle image, vous pouvez aller sur leur Facebook. Il y a une photo de Lee Dong-young allongé à côté d'une planche de surf avec écrit « So sexy » et il a ce maillot. Voilà. Alors attends, je vais aller la chercher l'image parce que si les gens n'y vont pas, je vais aller la chercher, je vais vous la montrer dans un instant. Mais alors vu de loin, ce maillot fait très John Book. Oui, il fait très John Book, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Et donc, c'était très perturbant parce que j'ai pas fait attention. Je regardais pas vraiment les images parce que j'étais en train de regarder le chat et régler deux, trois trucs. Et tu vois, je tourne la tête, je vois une offensive de mec en blanc. Je me dis, tiens, Ulsan joue en blanc. Et ben parce non. Que Ulsan a un maillot blanc. Et oui, mais donc je ne sais pas pourquoi ils ont sorti ce truc-là qui est immonde, mais bon. C'est très moche. Donc, ça n'a aucun sens. Je vais vous montrer les images dans un instant. Je voulais, avant cette première offensive, justement, ça va être compliqué, de John Book qui joue en blanc. Reposer un petit peu le contexte de ce match parce qu'on sait qu'il n'aura pas d'incidence au classement pour Ulsan, on va dire les choses clairement. Par contre, il peut avoir son importance pour John Book indépendamment du LSP psychologique, blablabla. Mais c'est un match peut-être beaucoup plus important pour John Book que pour Ulsan. Oui, parce que John Book est en train de... Enfin, il est revenu. Il était très très bas et il est revenu parce qu'aujourd'hui, ils sont troisième. Et ils se battent... pour la place de second et pour les places de qualification en Asian Champions League l'année prochaine. Donc là, actuellement, ils ont 5 points de retard sur Pohang qui va jouer demain. Et Ulsan hein, est loin devant. Après, quand tu dis que ça n'aura pas d'impact pour Ulsan, il faut faire attention parce que Ulsan est dans une très mauvaise période. Ils ont quand même perdu, le match dernier, ils ont fait un match nul. Voilà, ils ont gagné qu'un match sur leurs 5 dernières sorties. C'est quand même pas bon du tout, la dynamique est vraiment mauvaise. Et ils ont que 11 points d'avance. Ils perdent aujourd'hui, Pohang gagne demain, on revient à 8. Et on sait que Ulsan est assez friand de gâcher leurs avances. Donc, leur avance, pardon. Et donc, ça quand même peut avoir une incidence, surtout psychologiquement, sachant qu'on a en face John Book, qui, pour le coup, depuis que Petrescu est arrivé sur le banc, il n'y a eu que 2 défaites. Le premier match qu'il a eu à diriger, donc celui-là, on peut le mettre un peu de côté, et ils ont perdu uniquement un autre match, et notamment face à Pohang. Donc, ils sont dans une autre dynamique que Ulsan, et ils peuvent donc leur mettre la pression au classement, même si on aurait potentiellement que 8 points de... Enfin, on aurait encore 8 points d'écart. Mais on connaît le schéma de la K-League. On est à la 27e journée. Dans 5 matchs, 6 matchs, pardon, on coupe le championnat en deux. Et puis après, Ulsan aura à jouer que des gros bras du championnat. Donc, 8 points d'avance, ça peut être pas suffisant si Ulsan n'arrive pas à remettre la machine en marche. Voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça paraît assez étrange hein, quand on le dit, mais c'est vrai qu'on est habitué ces dernières années à voir Ulsan choc régulièrement. Un peu moins, hein, l'année dernière, ça avait bien tourné. Mais voilà. Fait un peu peur l'année dernière. C'était quand même fait un peu peur, effectivement, mais ils n'avaient pas craqué. Non, comme ils avaient réussi comme ils faisaient à... d'habitude, en fait. Et ils n'avaient pas craqué, notamment face à John Book, où dans le temps additionnel, ils avaient réussi à renverser la situation en mettant 2 buts. Sinon, je pense qu'on partait sur encore un choc d'Ulsan. Donc, psychologiquement, ils ont cette expérience de l'année dernière, mais faire attention. Bah, la grande question, c'est de savoir est-ce que le patient est véritablement guéri, quoi. En fait, c'est concrètement. Ça. Exactement. Il y a eu l'année dernière qui a montré qu'ils ont réussi, pour une fois, à avoir le caractère suffisant pour justement pas craquer.
Après, cette année, franchement, s'ils choquent avec l'avance qu'ils ont, bon, c'est Ulsan, tu vas me dire. Mais bon, on va saluer Alpha Yankee, on va saluer Raph qui est en train de regarder le Gamba, je sais pourquoi. En J-League. Mauvais choix. ouais, il devrait regarder Ulsan John Book, mais voilà, il préfère la J-League. J'arrive pas à le dresser, tu vois, là-dessus. Mais bon, et on va regarder, parce que c'est quand même parti assez fort, hein. Ça fait 5 minutes que ça joue, on a quand même eu deux situations, pas d'occasion, hein. Deux situations pour John Book, et une première petite banderille avec un ballon qui est passé devant la cage, côté Ulsan. File dans ta chambre, il est déjà dans sa chambre pour tout te dire, Max. Ah merde. Donc voilà, mais il est en train de regarder la J-League, il préfère la J-League, hein. Voilà, on peut rien y faire, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a mis 5 minutes, mais voilà, il fallait aussi planter le décor, saluer tout le monde et tout et tout. Regardez du côté des compos des deux équipes, Baptiste, je vais te laisser détailler un petit peu tout cela. Oui, donc on va commencer par Ulsan, hein. Honneur à ceux qui accueillent. Normalement non, mais bon, voilà, on va être mal poli aujourd'hui. Donc dans les buts traditionnels, Choyun-woo. En défense, Im Young-jae, Kim Ki, Jung Sung-won qui est le capitaine et qui remplace Kim Young-won qui est avec... Ah, je crois que j'ai perdu Baptiste. Est-ce que ton casque s'est débranché, Baptiste? On va attendre qu'il revienne, merci Raph. C'était pas un tacle, Nico, il a été viril, mais correct. Voilà, bon après, j'arrive pas à l'éduquer à la K-League. Est-ce que t'es de retour, Baptiste? Je crois que j'ai entendu. Ah, pardon. J'ai eu une coupure. Ah, t'as coupé après le capitaine. Ah, bon, bah, je vais reprendre. Et tu vas pouvoir y retourner. Bon, donc, le capitaine Jung Sung-yeon, qui remplace Kim Young-won, qui lui est suspendu. Sur l'aile droite, on a Sol Yong-woo, classique. Au milieu, on a une doublette Kim Min-hyuk et Lee Dong-young. Et Lee Dong-young a une position assez reculée par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Alors que là, il y a une très belle occasion pour John Book. Sur la tête de Han Kyo-won. Ouais, et le petit centre externe, je sais pas si c'est pas Moon Sun-min qui fait le petit externe pour le centre. Il est magnifique le centre. Ouais. Et l'arrêt est superbe aussi. Ah ouais, parce que la tête. Et franchement, l'action est parfaite. Le centre externe, magnifique. La tête décroisée, filet opposé, magnifique. Et la détente de Choyun-woo. Waouh. Voilà, première grosse, belle, très grosse occasion du match. Voilà, tu peux y aller. À moins qu'on suive le corner. On regarde le corner. Non, on va suivre le corner, ouais, par Kim Jin-soo qui a un masque. Parce qu'il a eu une fracture au visage avec la sélection. Donc, juste avant l'été. Et qui donc fait son retour avec un masque. On regarde le corner, on fait les compos et je vous montre la photo surfeur. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est exceptionnelle. Aïe, 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 le corner qui est dégagé premier poteau, récupération, Han Kyo-won au deuxième. On va s'appuyer parce que ça s'est vite fermé. Enfin, c'est vrai que c'est très compliqué ce maillot de Ulsan, hein. Franchement, faut arrêter les mecs. Hein. Et d'ailleurs, je pense que ça n'a pas beaucoup fonctionné parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les tribunes. Ah bah les tribunes sont bleues. Ah si, j'en vois 2-3. Mais oui. Après, ouais. Ouais. Attention, nouvelle petite opportunité. Non, ça a été contrôlé. C'était Bak Jae-yong, hein, il me semble. Ouais, c'était lui, le 10. Eh ben écoute, vas-y, je te laisse finir les compos. On a un peu de temps. Et donc, meneur de jeu à la place de Lee Dong-young, on se retrouve avec Wang Jae-won. Qui est le joueur de moins de 22 ans. Kazajvili sur une aile, Ludvigsson sur l'autre, et en pointe, Martin Adam. Donc on a fait quand même un peu tourner côté Ulsan par rapport au match perdu de la semaine dernière. Donc, peut-être des sanctions indirectement de la part de Hong Myung-bo. On verra ce que ça va donner ce soir, enfin ce midi, et le soir en Corée. Et de l'autre côté, avec après, tu parles de sanctions, pour rappeler, on n'a jamais véritablement d'infos, hein, on va le dire clairement, hein, sur les effectifs, même quand on a un Baptiste qui est un suiveur assidu de la Kelly, qui lit le coréen et tout, les infos pour les avoir, bon courage. Hein. Bah, en général, on les a avant le match. Quand il y a l'interview d'avant-match, où on sait qu'un tel était blessé, etc. Et on les a très peu tout au long de la semaine. C'est assez bizarre. D'ailleurs, petite question parenthèse par rapport à ça. C'est lié à quoi? Est-ce qu'il y a des journalistes qui assistent aux entraînements? Ou tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un suivi quotidien des clubs ou pas vraiment?
Oui, il y en a parce qu'il y a les supporters ont des infos beaucoup plus précises par moment. Après, je pense que il faudrait être en mesure de lire les journaux peut-être papier ou les sites uniquement de ces locaux Ouais. qui sont là assez compliqués à trouver quand on est en France. Moi, je passe par Never qui répertorie un peu tous les articles, mais globalement, quand moi je fais le preview et que je cherche toutes les infos. En général, 2 jours avant le match ou même la veille, on a très très peu d'infos. Il y a très peu de choses qui sortent. On le sait, quand une personne est blessée depuis quelques matchs ou qui était blessée la semaine précédente, on a des infos en disant il est revenu à l'entraînement, etc. Mais globalement, on a très peu d'infos sur qui va être blessé, qui va pas l'être. Et puis généralement, bizarrement, les mecs se blessent toujours la veille du match. Ouais. Quand on entend les discussions, c'est oh, hier il s'est blessé. Ouais. Enfin, c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est régulièrement les mecs se blessent la veille du match. Il n'y a pas de, il y a des conférences de presse d'avant-match ou pas? Oui, il y en a, mais justement, elles sont le matin. Elles sont pas la veille, elles sont le matin. Le matin du match. Ok, c'est pour Ouais. ce qui explique qu'on a les infos au dernier moment. C'est ça. C'est-à-dire que tous les matins, vous allez, au moment où la composition est donnée, en fait, ils viennent expliquer leur composition. Donc pourquoi un tel n'est pas là, etc., etc. Et on ne les a pas la veille, en fait. On les a uniquement pour la Jan Champions League, la Ouais. veille, où là c'est une obligation Ouais. à compétition, mais en K-League, on n'a pas ces conférences de presse d'avant-match la veille. Ok. Ou du moins, on les a peut-être, mais enfin, moi personnellement, je ne vois pas d'article sorti avec ces conférences de presse. Ouais, c'est ça. Disons que voilà. Après, c'est peut-être beaucoup plus verrouillé qu'ailleurs. Et à la limite, pour le coup, bah, les joueurs savent avant tout le monde s'ils vont jouer ou pas, c'est bien. Ils l'apprennent pas 2 jours avant. Ou ils apprennent pas 2 jours avant s'ils sont blessés. On va resaluer Figo qui vient de mettre son message dans le chat. On va continuer sur les compos. On a fait côté Ulsan avec donc un peu de rotation. C'est pour ça qu'on a fait cette parenthèse. La question traditionnelle de savoir si c'est de la rotation sanction ou de la rotation parce que richesse de l'effectif aussi, hein, quand même. On va pas Parce se qu'il y a des mentir non deux. plus. Il y a un Il y a un peu peu des deux. des deux probablement. Sachant que la Zen Champions League va pas tarder à arriver. On va être en fin de saison. Ulsan a de l'avance, donc autant se servir de la profondeur de l'effectif qu'on a à disposition. Ils vont la jouer cette année, les Coréens? La Champions League? Normalement, un peu plus que d'habitude, que les saisons précédentes, parce que cette année, il n'y a pas de hub. Donc ça va être chez eux pour les matchs aller, ça va être à l'extérieur pour les matchs Sauf retour. que après, t'as vu sur la réforme. Ouais, ça c'est pour l'année prochaine, la réforme. Ouais, c'est pour l'année prochaine. Mais là, cette année, potentiellement, ils vont la jouer. Sachant que Ulsan a eu son objectif de gagner le championnat, qui était la première chose à faire pour Hong Yongbo. Maintenant, leur objectif, c'est d'essayer de gagner tous les trophées. Voilà. Alors, c'est mal barré parce qu'ils sont éliminés de la FA Cup, mais ils peuvent encore gagner deux trophées. Donc, ils vont essayer, je pense, de la jouer. Ok, bon, mais ce qui est Mais une. Ulsan a quand même une particularité avec la Asian Champions League. John Book aussi, parce que historiquement, ils l'ont remporté 2 fois chacun. Et Ulsan était champion 2020 ou 2021, non, 2020. Donc, il y a quand même une petite histoire. Après Incheon, je pense qu'ils ont autre chose à faire cette année que d'aller la jouer. Et, Après, là, ils vont et... jouer un barrage normalement assez facile. Oui, assez facile. En plus, c'est chez eux la semaine prochaine, donc ça va être assez simple. Mais tant que c'est chez eux, ils vont la jouer, parce que c'est pas de déplacement, etc. Après, on verra contre qui ils tombent. Mais s'ils se déplacent en Australie, s'ils doivent aller faire plusieurs kilomètres Ouais, en ouais. plein milieu de semaine, s'il y a un match important le week-end, je suis pas sûr qu'on ait les meilleurs joueurs. Ouais. Mais bon, bah, déjà, c'est la bonne nouvelle. Après, c'est vrai que du Ulsan ou du Jeonbuk, bah, tu le disais, hein, c'est un peu les Urawa japonais, quoi. Hein, c'est-à-dire, c'est des équipes qui, traditionnellement, quoi qu'il arrive, la jouent vraiment, quoi. Même si Jeonbuk, Oui. il me semble qu'il n'avait pas joué à fond les ballons, hein, sur les hubs. Hein. Alors sur les hubs, non, mais l'année dernière, ils avaient joué à fond, mais en même temps, ils n'avaient plus que ça à jouer avec la FA Cup. Mais c'est vrai que sur les hubs, enfin, ça faisait beaucoup tourner. C'était. Non, puis c'était pas. Non, puis on était. Enfin, faut voir aussi où ce que certains avaient joué. Hein, quand ils étaient allés à Buriram, là, il n'y avait plus, il faisait lourd. Enfin, c'est pas des conditions incroyables. Dégout avait été en Ouzbékistan, ils sont revenus, ils avaient tous le Covid. Voilà, enfin, faut pas non plus juste leur taper dessus en disant qu'ils jouent jamais, mais faut dire voir les conditions dans lesquelles sont organisées cette compétition. Et puis là, en plus, c'est en fin de saison. Alors, pour les équipes qui jouent plus rien, peut-être
peut-être qu'ils vont la jouer à fond. Hein, mais là, aujourd'hui, à cette fin de saison, je sais pas. Mais justement, après, par rapport à la réforme, ça a discuté en Corée ou pas? Donc on est sur la Champions League. Pour le moment, ils ont rien dit. On parle juste de la réforme. Ouais. Pas de réaction quoi. Mais pas de réaction particulière. Après, les Coréens critiquent pas vraiment cette compétition. Ils en parlent parce que c'est aussi un moyen de montrer leur supériorité s'ils réussissent. Mais on n'a jamais de grosses critiques. Après, dans les supporters, on sait qu'il y en a certains qui trouvent pas ça normal que tout soit fait pour que toute la zone ouest soit avantagée. Mais ça, c'est depuis plusieurs années. Mais ce sont des supporters. Ils ont un peu le même avis qu'aussi au Japon, où on en voit certains qui ne sont pas très satisfaits de l'organisation de cette compétition. Ouais. De toute façon, on est. On ne mettra jamais tout le monde d'accord. Non, on ne mettra jamais tout le monde d'accord. Ça, on est OK là-dessus. Mais bon, c'est vrai que voilà, là, pour le coup, l'avantage, entre guillemets, donné à l'Ouest, attention à cette frappe de Kasai Juili, non, elle va être contrôlée tranquillement. On verra où ils organiseront. Hein, pour rappel, si vous n'avez pas suivi l'histoire, il y a une réforme de la Champions League qui va arriver, pas pour la saison qui démarre, mais pour la saison d'après, donc 2024-2025, oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Il y a une refonte totale des compétitions continentales asiatiques avec, moi, c'est ce que je trouve terrible. Deux Champions League, l'élite est la 2, elle s'appelle vraiment Champions League 2. C'est horrible comme nom. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas laissé AFC Cup, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc il y a l'élite qui va être réservée aux meilleures nations de la zone. Par rapport au ranking, c'est pas très clair encore. Hein. Je sais pas si t'as vu passer des infos toi depuis, mais non, mais c'est pas très clair combien, hein, combien de nations. Moi j'ai vu 6 et 6. Et si on regarde les rumeurs où on dit qu'il y aura, déjà 3 japonais, parce voilà, que ils sont premiers au classement des confèdes actuellement, 2 coréens plus 1 en barrage, donc ça ferait déjà 6, c'est-à-dire que sur 50% des équipes. 50% des équipes, c'est 2 pays. Quel est l'intérêt, en fait? C'est ça. Je vois pas l'intérêt. Globalement, coupons la confède en deux et faisons 2 vraies Champions League. Et s'ils veulent, le gagnant de chaque côté, et bah, ils s'affrontent sur un match dans un des pays asiatiques et puis sur une rencontre. Et puis voilà, on fait la fête. Mais là, ça n'a ni queue ni tête. Non, si ça. Tu veux des... Et puis, tout est fait pour l'Ouest. Déjà, l'Ouest, ils ont beaucoup plus de moyens aujourd'hui. L'Arabie Saoudite a été avantagée ces dernières années à jouer chez elle. Là, ils ont recruté je ne sais combien de joueurs étrangers. Ils n'ont plus aucune règle du nombre d'étrangers à mettre sur le terrain. Bah, qu'est-ce que va faire la Asian Champions League? Bah, ils vont faire pareil. Ils en ont, c'est 8 plus 1. Ouais, c'est une équipe, quoi. Quasiment. Mais ils en ont quand même. Voilà. Tu vois, ils ne peuvent pas encore faire full... Ils peuvent pas encore basculer dans le total étranger. Il y a quand même encore un quota. Je suis d'accord avec toi, hein, 8 plus 1. Le plus 1, c'est parce que c'est un genre de la Confédération asiatique. Hein. Mais ça, c'est une règle qui existe en Corée du Sud, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc voilà, vous avez un quota d'étrangers plus 1 qui est un membre de la zone. Sachant qu'il y a une autre particularité en Corée du Sud, c'est, tu me corriges hein, si je me trompe, c'est que les joueurs nord-coréens ne sont pas considérés comme étrangers. C'est ça, exactement. Et donc voilà, grosso modo, on pourra en débattre pendant 500 ans de ce truc-là. Moi, ça ne m'intéresse plus depuis plusieurs années. Globalement, l'organisation est nulle, les matchs sont nuls, tout est nul en fait. Tu participes dans une compète où tu sais que tu es désavantagé, où tu vas avoir une équipe qui va faire la phase de groupe, tu vas te retrouver avec une équipe qui va faire l'autre partie. Regarde Urawa, hein, ils avaient perdu quelques joueurs entre leur finale face à John Book et la finale face à je ne sais même plus qui, ça ne m'intéresse pas. Et globalement, alors oui, c'était le cas pour l'Ouest à une époque. Très bien, mais si j'étais aussi pour l'Ouest, je gueulerais dessus. En fait, tout est mal organisé. L'Australie, c'était un peu le truc qui était là, qui faisait en plein milieu de sa compète à la fin de la saison. Enfin, on comprend rien. Ils ont une compète qui est trop grande. Ils veulent faire un truc qui marche pas. Et tout. Je pense que même personne regarde. Enfin, franchement, par les pays arabes qui sont à fond dessus. Ouais, je suis pas convaincu. Parce que si quand même. Notamment les Saoudiens, les Saoudiens sont quand même toujours très très présents, même dans les tribunes et tout. Enfin voilà, on va pas repartir. Tant, quand tu vois les votes qu'il y a en ligne, à chaque fois c'est des joueurs de la conférence. Enfin, quand tu te souviens du meilleur but élu par les fans en 2022, en 2021, enfin faut se calmer quoi. C'était ridicule. Déjà le but, il avait rien à faire dans la sélection. Le but, c'était un centre et une tête. Voilà, super.
Enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, voilà, on va pas, je pense, refaire parce que là, on a un match à regarder qui c'est est beaucoup ça, plus exactement. intéressant. Et il y a eu un changement en plus côté côté John Book, c'est bien parce qu'on n'avait même pas donné la compo de John Book, donc tu vas pouvoir y aller. Alors, je l'ai pas vu le changement. Je pense que c'est un changement du côté d'Ulsan qui se prépare. Ah mais non, du côté d'Ulsan, pas John Book. Ah putain, je vais pas y arriver. J'y arrive pas. Hein. Franchement, c'est un enfer. C'est un enfer. J'ai vu un changement. Donc, alors j'ai des non, il va arriver. Non, non, il se préparait. Il c'est va arriver. Je... Ouais. Ouais, donc rapidement, il se prépare. Mais vas-y rapidement. Côté John Book dans les buts, Kim Jong-un en défense, Kim Jin-suk capitaine, Petr Hacek la recrue, Jang Tae-wook, Jang Woo-jae. Sachant que notre cher ami Hong Jong-ho est suspendu parce qu'il a eu un carton rouge la semaine dernière. Milieu de terrain à deux avec Park Jin-sop et Boateng, une recrue également. Les deux ailiers Moon Sun-min et Gwon. Derrière l'attaquant Baek Sung-ho qui lui pour le coup va jouer un cran plus haut en soutien de l'attaquant qui est Park Jae-yong recrue qui compense le départ de Cho Kyo-sang au Danemark. Voilà rapidement et là je pense que du côté d'Ulsan on va faire sortir le joueur U22 Wang Jae-wan pour faire rentrer Mbosan. Voilà, on va attendre, le changement n'a pas été fait encore, on est à 20 minutes de jeu 0-0. Il y a Nico Wagner qui te demande comment ça se fait que tu t'es pas. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es passionné pour la K-League, à part la K-pop, Baptiste? Alors, moi, je n'ai pas été à un concert de BTS. Ouais, ça va, mais je l'assume totalement. Donc. En fait, tu dis ça parce que tu es jaloux. Oh oui, tellement. Attends, ça va, c'est BTS époque encore coréen. Hein. C'est pas le BTS actuel. Hein. Je sais pas. Clairement, la K-pop, si tu veux, c'est pas trop mon délire. Donc, c'est pas la K-pop qui a fait venir non. Baptiste à la K-League. Non, et donc le changement a lieu actuellement si tu veux faire des petites modifications. Ouais, c'est exactement ce que je veux faire. Alors, par contre, je pense que, alors, je pense que Vako va passer dans l'axe. Kazajvili va passer dans l'axe. Mwosong va passer sur l'aile droite. Et Ludvigsson risque de basculer sur l'aile gauche. Normalement, Mwosong est à droite. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il était déjà à gauche, hein, Ludvigsson. Parce que j'ai suivi, oui. En fait, pour ne rien te cacher, j'ai suivi la compo, l'organisation tactique qui a été donnée par Ulsan sur son Facebook. Et voilà, tout à l'heure, on a vu une offensive où Ludvigsson, il était déjà parti côté gauche. Hein. Oui, après, ça permute beaucoup, hein, puisque Vako, il est un peu libre de faire ce qu'il a envie, ce qui est très bien. Parce que c'est un joueur qui a les capacités de faire ça. Donc ça permet beaucoup. Et effectivement, Kazajvili, on le voit, il est dans l'axe. Ludvigsson est sur son côté gauche. Et Mwosong est tout en haut. C'est exactement. Bon. C'est voilà, ça. C'est bon, j'ai changé. J'ai bougé comme il fallait. Bon, vas-y, je te laisse finir sur comment tu as basculé du côté obscur. Du côté obscur. Alors, tout simplement, c'était en 2012. Je cherchais un match à regarder et je savais que monsieur Nicolas Kougo, si présent, regardait beaucoup la Asian Champions League à l'époque. Et c'est bien de le dire. Quoi? De quoi c'est faux? Non, c'est vrai. J'ai dit c'est bien de le dire. Ah, et donc, connaissant monsieur Kougo à l'époque et une autre personne qui s'appelait Antoine et qui écrivait pour Lucarne Opposée, notamment sur la partie. La partie Corée du Sud Japon. Ouais. Lui et pour le coup il avait beaucoup de K-pop. Il m'avait fait aussi découvrir la K-pop. J'ai assez vite arrêté. globalement j'arrivais pas à suivre et puis enfin c'était pas il y avait pas que des trucs incroyables. Et donc j'ai regardé un match de l'Asian Champions League et c'était le FC Seoul et globalement c'est comme ça que c'est parti. Parce qu'après j'ai continué à regarder Seoul etc etc. Et Damjanovic Molina à l'époque dans cette équipe avec Adli, un autre Brésilien. Enfin voilà. Et Adesang aussi au milieu de terrain. Enfin c'était une équipe incroyable à l'époque. Et voilà un petit peu le cheminement. Et après on faisait des matchs sur FIFA entre K-League puisqu'il y avait pas la G-League à l'époque. Non c'est vrai. Bonsoir à. Ça trichait en prenant John Book. Je tiens à préciser. Je sais pas de qui tu parles. The Dangerous Man. bonjour à toi. Figo qui nous dit, il nous a déjà expliqué, c'est l'ACL qui l'a excité. Bah tu vois, mine de rien, c'est l'ACL qui l'a fait venir. C'est l'ACL. et depuis que Séoul s'est fait enfumer en 2013, je ne regarde plus. Voilà. Après, il y a eu des périodes coréennes plutôt sympas, hein, parce que tu vois, même au-delà de l'ACL, parce que je me souviens aussi de l'époque Pohang,
Comment il s'appelait ce Brésilien là? Denilson, c'est ça? Voilà, c'était une période plutôt sympa aussi. On les avait vus, ils avaient fait parler un petit peu d'eux aussi. Donc voilà, il y a eu des périodes sympas. Après, il y a eu des périodes où ils ont commencé à se faire un petit peu entuber les uns après les autres quand même. Bah déjà, tu perds une finale sans perdre un match. Ça me paraît un peu choquant, mais... Après, je connais des équipes qui sont allées en finale européenne sans gagner un seul match à élimination directe à partir des quarts. Hein, donc, gagner un seul match tout court à partir des quarts. Hein. Donc, et là, moi, je trouve ça assez et d'ailleurs, choquant ils perdent en finale sans perdre. Que l'on accorde à une équipe un titre alors qu'elle n'a pas gagné le match. En finale, je parle. Hein. Ouais, ouais. Mais bon, ça n'a choqué personne. Quoi. Tu fais 1-1, 2-2, t'as gagné. Ok, super. Nickel. Voici la CL. Ah, voilà, oui. Bref, loin de moi cette compétition, s'il vous plaît. D'ailleurs, l'équipe à laquelle je pense européenne, elle ne perd pas, elle gagne. De merde d'ailleurs. Donc je ne donnerai pas le nom qui commence par un P et qui finit par SV. Voilà, vraie équipe. Il n'y avait pas faute sur Nilmar. Ouais, c'est vrai. Alors en plus, pour le coup, cette équipe-là, tu vois, elle va rapprocher les Bordelais et les Lyonnais parce que nous, on se fait entuber parce que voilà, c'est l'époque Koeman-Guéretz. Quand ils défoncent Tigana face à Bordeaux. Et ils éliminent Bordeaux sans gagner, hein, 1-0-0, en détruisant la cheville de Tigana. C'est 88. Et ils ne battent pas Bordeaux en quart. Ils ne battent pas je ne sais plus qui en demi. Ils passent pareil, avec le but à l'extérieur. Et ils gagnent au tir au but en finale face à Benfica. Donc ils n'ont pas gagné un match à partir des quarts. Donc voilà. Tout comme l'équipe qui est considérée perdante après 2-0. Oui, non, mais c'est pareil, tu dois faire une... voilà. D'ailleurs, pour précision, la CL avait fait quelque chose qui était déjà plus intelligent que ce que faisait l'Europe, et l'Europe s'était mis à le faire l'année dernière, c'est que la CL ne comptait pas les buts à l'extérieur en prolongation. C'est-à-dire que s'il y avait 2-2 à la fin du temps réglementaire, et qu'en prolongation il y avait 3-3, et bien le but à l'extérieur ne comptait pas. Donc, ça va aller au tir au but. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais oui, grosso modo, ça donnait en gros... Après, l'Europe, elle a enlevé carrément le but à l'extérieur de manière générale. Et maintenant, elle l'a enlevé. Mais globalement, c'est pas normal qu'une équipe à domicile, si elle se prend un but, bah, l'autre, elle a eu 15 minutes, enfin une demi-heure de plus pour mettre un but à l'extérieur. Donc, c'était pas forcément logique. Et je trouvais que c'était plutôt équitable en Corée. Mais après, c'est un autre sujet. Ouais. Donc voilà. Bref, allez, 27 minutes de jeu, on était déjà parti bien sur de très très grosses digressions, c'est bien, c'est l'habitude, hein, si vous connaissez. Il n'y a pas eu vraiment d'action depuis. Non, c'est le ça. Le début de match, il y a eu 10 minutes où ça partait dans tous les sens, et là depuis... Depuis la tête d'Ankyo-won, ça a calmé tout le monde. Hein. Exactement. Et après, je trouve que John Book est en train de faire douter Ulsan dans le jeu, parce qu'Ulsan n'a pas la possession. Alors, ils touchent pas beaucoup de ballons. Exactement, j'allais te dire, un, ils n'ont pas la possession, et deux, ils sont dans leur camp depuis tout à l'heure, ils ne sortent pas. Donc là, ils essayent d'aller un petit peu au pressing, et c'est pareil, c'est assez amusant. Il n'y a pas de volonté d'aller chercher John Book non plus. Hein. Non, c'est... Alors après, c'est eux qui sont en position de force, hein, c'est à John Book de faire le jeu, parce que c'est John Book qui a des choses à aller chercher. Mais globalement, ils font que défendre, et ils le font plutôt bien, parce que John Book, c'est du handball là pour le moment, mais du handball... au milieu de terrain, il n'y a pas de handball ni proche de la surface de réparation adverse. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que la stratégie de Ulsan, elle est plutôt extrêmement prudente dans ce début de match. Il y a peut-être un peu d'espace là sur le côté gauche et le centre va être contré et ça va donner un nouveau corner. Et pourtant, c'est une équipe qui est assez offensive. Yi Dong-young qui est normalement un 10 qui est sur le terrain, qui est Minyok. Songnam, quand il y était, c'était plutôt un joueur avancé. Donc, on est plutôt sur une équipe offensive. C'est assez étrange de les voir plutôt dans leur camp, plutôt que de mettre le pied sur le ballon, sachant que techniquement, ils ont du monde. Et pour le coup, c'est plutôt John Book qui a un peu densifié son milieu, parce que Park Jin-sop et Boateng, ce ne sont pas des meneurs de jeu, des mecs qui vont créer le danger. C'est plutôt Paek Sung-ho qui est censé le faire et lui qui est, pour le coup, un cran au-dessus. Donc, c'est assez marrant de voir ça. Ouais, c'est presque assez étonnant parce que... Et c'est peut-être aussi symbole de la période que traverse Ulsan aussi. Hein. Il y a peut-être une petite crise de confiance qui fait qu'on va repartir sur... on va se dire, on solidifie un petit peu pour,
pour mettre à fin à ces trucs-là. Attention, parce que Vaco, il est parti. Il va crocheter, magnifique. Ouh, il a été contré derrière. Ouh, il... Et Vaco qui fait le très très mauvais choix. Il avait deux solutions énormes. Surtout alors, une à gauche. Hein. Ouais, celle à gauche, elle était superbe. Là, il a glissé le ballon, il éliminait trois défenseurs. Et il a préféré le garder... Et ensuite, Kim Jin-soo, il ne peut plus rien faire. Et Kim Jin-soo est devant lui. Et je sais pas, il essaye de... Ouais, il se met sur son pied droit pour tirer là où c'est complètement fermé. La solution à gauche, c'était Lee Dong-yang. Et je pense qu'une fois qu'il fait son crochet, il ne peut plus le servir, en fait. C'est non, soit il le sert au tout faire. Début, quand il commence à fixer les trois. C'est soit ça. À la fin, c'était trop tard, en fait. Il ne peut plus le toucher. Et sinon, à la fin, il avait l'option Mwosang qui pouvait ensuite déborder et lui repiquer dans l'axe pour peut-être faire une passe en retrait, mais il n'a pas choisi cette solution. Non, mais ça donne quand même corner pour Ulsan. Je sais pas si c'est pas le premier. Lim Young-jae qui va s'en charger de la droite vers la gauche. Possibilité donc pour les Tigres de griffer les premiers. Magnifique, je l'ai travaillé hein, celle-là. Ouais. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Il y a un petit peu du mal hein, sur les corners à passer les premiers poteaux. Et aussi, la pelouse est dans un état déplorable. Enfin, mais là, on ne va pas taper sur la K-League. C'est la période des typhons, il y a beaucoup de pluie. Et on le voit, c'est assez boueux en fait, sur toute une partie du terrain. Et très difficile en ce moment de tenir les pelouses en bon état. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il est vraiment coupé en deux, le terrain. Tu as l'impression que au rond central, tu as la partie... Allez, si tu attaques de la gauche vers la droite, la partie gauche, ça va. La partie droite, faut mettre les bottes. Hein. Ça. Alors après, on a un autre sujet. C'est qu'à Seoul, ils ont mis un concert la semaine dernière sur la pelouse en disant que non, ça n'allait rien abîmer. Regarde la pelouse là, elle est détruite. Mais bon, la K-League, après, hein, ça passe après un concert pour les scouts. T'as la même, concert de K-pop. T'as la même au Chili. Hein. Donc, t'avais le Santa Laura où la pelouse était déjà compliquée. Ils ont été placés un concert là-dessus. Je te raconte même pas, c'était plus de la pelouse derrière. C'était un carnage absolu. Il n'y avait plus d'herbe en fait. Déjà, la pelouse d'Incheon est lamentable. Détruire celle du Seoul World Cup Stadium, c'est fort. C'est vrai que là, elle souffre. Hein. Là, on se dit que d'ici la fin du match, il y a une partie du terrain qui va être compliquée quand même. Oui. Elle l'est déjà. Mais d'ici la fin du match, voilà. C'est-à-dire que si, là, pour l'instant, si t'es Ulsan, t'aimerais pas être à la place d'An Kyo-won. Si t'es John Book, t'aimerais pas être côté droit, en fait. Après, je me demande, est-ce que c'est pas la caméra qui nous empêche de voir si c'est pas le même état de l'autre côté? Ah, c'est possible. C'est possible. Faudra voir sur les plans un petit peu plus serrés s'ils en font sur des joueurs. Mais on a quand même la différence. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'il y a une grosse différence de texture hein, ouais, entre c'est un ça. Côté et l'autre. Mais bon, il y a eu un typhon la semaine dernière, donc ceci explique cela. Voilà. Et ça n'avait pas trop perturbé. Tiens, on a la statistique de la possession de balle, 56% pour John Book en une bonne demi-heure. Hein. Vous voyez, il reste presque à peine 10 minutes dans cette première période, toujours 0-0. Une seule grosse occasion à se mettre sous la dent. Cette tête décroisée d'An Kyo-won, parfaitement sortie par Choyun-woo. Ça a calmé tout le monde. Donc, An Kyo-won qui continue de faire mieux et plus que ce qu'il n'a fait face au PSG. Mais bon, soi-disant, le PSG a affronté une équipe de district. Mais bon, ouais, l'investissement à remettre en question. Il n'y a qu'un joueur hein, du côté de John Book à jouer, c'était Moon Sun Min. Le reste, voilà. Voilà, le fameux match du jeudi à 17h en pleine chaleur à Busan. Qui sert à rien. On a une équipe qui s'appelle John Book. On a plutôt regardé Neymar jouer avant qu'il parte. Voilà. Non, mais après, par rapport au reste, hein, tu vois, sur les commentaires, bon. Hein. Tu sais, hein, depuis l'arrivée des Messix sur la planète Hello, c'est compliqué hein, de parler de MLS ou de choses comme ça. Donc, bon. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'on avait dit dans plusieurs lives parce que c'est un peu c'est pénible en fait. Mais bon, donc avec l'expérience, tu finis par pas y répondre. Sauf que parfois, t'es quand même un petit peu obligé, mais tu réponds pas à la limite que ça soit le Twittos lambda, enfin le Xos lambda, parce qu'il faut plus dire Twitter. C'est naze le Xos. Mais mais bon, attends, on va suivre ce coup franc directement dans la tête. Quand c'est un mec lambda, tu t'en fous un peu en fait. Que bon, mais quand c'est quelqu'un du milieu, ouais,
Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que quand on voit, on dit ouais, le PSG, ils ont bien joué face à une équipe terrifiante, etc. Mais enfin, l'équipe terrifiante, elle en avait juste rien à faire du match. Elle a juste pris son chèque, les mecs se sont reposés, ils ont fait tourner, les recrues ont joué, c'était au petit trot. Hanquyo Wen, il n'allait pas non plus se défouler comme un dingue, alors que 3 jours après, il devait jouer face à Incheon dans un match qui avait, excusez-moi, mais un peu Ah plus bah d'importance que carrément, ce qu'était le PSG. Et t'as je pense posé le qu'il y a contexte au même. début du match, hein. John Book joue une place en ACL quand Ah même, donc oui. un match Et je pense amical qu'il y avait face au même. PSG, ils s'en foutent quoi. Et je pense qu'il y avait même une consigne. Le PSG revenait Ouais. du Japon. Le PSG restait 36 heures en Corée. Il y avait peut-être une consigne de dire les mecs, on y va mollo. On va pas se blesser avant de rentrer en France, sachant qu'eux, ils jouaient Lorient la semaine d'après. Non, non, clairement. Voilà Je quoi. Un pense, match. de toute façon, je pense que sur les matchs comme ça, ces matchs de. Enfin, c'est des matchs de gala dans le sens premier du terme. Ouh! Ça a failli être un CSC là, hein, avec la tête. Pas loin. J'étais en train de regarder. C'est Ludvigsson qui met la tête comme ça? Parce qu'il y a un gros Oui, plan c'est sur lui. Ludvigsson qui essaye de la sortir, mais qui en fait la prolonge en cloche au second poteau. Mais je pense que très clairement, pour finir sur cette parenthèse match amicaux, très clairement, ce sont des matchs spectacles. Donc Oui, tu après il y a vas. des équipes qui les jouent à fond, hein, parce que les Japonais ont beaucoup joué face au PSG. Ouais, c'est vrai. Al Nasser l'a joué, mais eux, je pense qu'ils ont aussi une volonté de montrer qui ils Ouais, il sont. y a d'autres volontés. Ouais, c'est ça. Mais les Coréens, ils n'en avaient rien à faire. Clairement, ils n'en avaient rien à faire. C'était criant. Et le Mais bon. corner. J'avais bien raison, c'était le premier hein, tout à l'heure pour Oulsan. La volée, but! Oh, poteau! Le Oh! poteau. Oh, je l'avais vu Oh là là. dedans, cette volée! Ouais, pareil, et je pense que Choyonhui est très content que son Ah! poteau l'a repoussé parce qu'il était resté scotché sur sa ligne. Frappe tendue de Kim Jin-soo, mais alors celle-là, elle était. Ah ouais, puis alors avec l'effet caméra, moi je la vois dedans, mais de suite. Et en fait, non, non, c'est poteau. On est Alors, je sur le sais pas ralenti. comment il la Ouf! prend, mais elle part vite, hein. En fait, il la drop, enfin, il la prend juste au rebond. C'est bien joué, hein? Oh Oh la là vache, là. comment il la rabat vite! Oh, magnifique! Et Ouais, derrière, elle part. Hanquyo Won qui est complètement surpris, bah, en même temps, à sa décharge, ça revient très fort dans ses jambes. Ah bah, tout le monde était surpris, même Choyonhui, Ouf! il a cherché le ballon à un moment donné. Non, c'est magnifique frappe de Kim Jin-soo. Malheureusement, le poteau pour John Book et heureusement pour Ulsan. Ouais, et Rafa, on t'avait dit qu'il fallait venir voir Ulsan John Book. Donc si Gamba c'est chiant, bah voilà. Fallait venir voir Ulsan John Book. On a déjà eu une énorme parade de Choyonhui. On vient d'avoir un poteau à l'instant. Deux occasions, deux énormes occasions. Les deux en faveur de John Book. Bien joué. Ce ballon qui va arriver côté droit. S'il s'applique sur le centre, déjà le contrôle était complètement raté de la part de Sol Yong-woo. Alors, est-ce qu'il n'a pas été gêné par le terrain? Parce que le ballon, il roule pas. Je Bon. sais pas, j'ai Non, pas il s'est l'impression qu'il soit raté. dans Ah une non, zone compliquée. Il n'y ah a non, pas il de s'est rebond raté. dégueulasse. Ouais, c'est le contrôle qui est tout pourri. Enfin, c'est volontaire, je pense, hein, il veut se l'emmener comme ça, mais je sais pas. Ça Allez, ça permet à Petr s'anime. Cech de revenir et de tacler. C'est un bon retour. Alors, Petr Cech, beaucoup de questions hein, sur son arrivée. On Est-ce est que c'était d'accord? vraiment nécessaire? On est Pas d'accord sûr. qu'on l'a vu arriver sur peut-être le dernier live Kelly qu'on a fait et il avait concédé le penalty à la dernière minute. C'était lui, je crois, non? Oui, c'est face à Saoul. Il s'était fait engueuler parce qu'il n'était pas prêt et il est Voilà, c'est rentré. ça. Première action, il prend un penalty. Magnifique, bienvenue. Ce qu'on appelle des débuts réussis. Exactement. Bon, là, il y a eu Et une grosse situation pour Ulsan, et attention, parce que c'est pas fini avec la frappe contrée. Incroyablement, le nombre de frappes contrées dans ce début de match. À noter aussi l'absence de Han Yeon-bon côté John Book, qui arrive de Jeju, donc l'un des meilleurs latéraux du pays. Mais je pense qu'il va pas faire long feu à John Book parce qu'il le voit vraiment comme un pur latéral. Lui qui, en fait, est un latéral très offensif parce qu'à la base, il est ailier. Et donc, bon, aujourd'hui, il n'est pas là. On sait qu'il est aussi un peu juste physiquement ces derniers temps. Il s'était blessé avec la sélection. Mais voilà, à noter qu'il n'est pas présent et que je pense que ça va pas bien fonctionner parce que uniquement latéral avec très peu de montée pour lui, ça risque d'être compliqué. Voilà. Je fais un peu une revue des transferts hein, Mais tu as de raison, tu cet as été. raison. J'étais subjugué par la tentative de ciseau de Kim Ki.
Alors que je tiens à préciser que Seoul vient d'ouvrir le score, mais on a un but. Magnifique. Il y a tout. Il y a la frappe contrée qui finit sur le poteau, elle rebondit sur les jambes du gardien. Il y a tout. On aurait pu avoir c'est ça. Beau. Hein. Ah mais là c'est beau là. Là on frise l'art. Faut le mettre au Louvre là ce but, il est magnifique. Je sais même pas à qui ils vont l'accorder. Techniquement au gardien. Bah techniquement au gardien. Hein. Si elle est pas entrée avant que ça tape dans les jambes du gardien, c'est un CSC. Hein. Ah non, il a plongé et en tapant sur le poteau, ça a retapé dans ses jambes, c'est rentré. Ah, en bah, cloche c'est... en plus, c'est ah, rentré. Ouais, c'est gardien, c'est CSC. C'est beau. Parce que je fais un petit point score, mais il y a donc Seoul qui mène 1-0 face à Daegu et Gangwon qui mène 1-0 face à Suwon FC. Voilà. Alors que Luffy est en train de s'énerver parce que Son Bunkum est en train de tout sortir. Il regarde Gamba et, contre Shonan, et forcément, ouais, on va bah en profiter pour saluer Son Bunkum hein, parce que hein, le choix du sport. Bah oui. Voilà. Et j'ai vu que la semaine dernière, il avait fait encore un très gros match. Il avait été élu homme du match. Donc, mais alors, très bien très si ça se passe pour lui. Hein. Ouais, non, mais alors, très franchement, lui est irréprochable. Tu vois ce que je veux dire, c'est, il est vraiment, bah, de façon... il est vraiment pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'il est l'un des meilleurs gardiens de G-League, voilà, cette saison. Mais ça m'étonne pas. Ce qui n'est pas une surprise. Hein. Quand la G-League vient recruter un gardien coréen, en général, ils ne recrutent pas des joueurs qui n'ont pas le niveau. Après, mais aurait, ce qui est surprenant, c'est... On aurait pu s'attendre à le voir dans un club plus huppé, quand même. Ça, c'est pourquoi avoir choisi Shonan quand tu joues à Jeonbuk. Après, on sait que les Coréens, la qualité due au Japon, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et l'argent aussi, parce que je pense que Shonan a proposé beaucoup plus que, ouais, que Jeonbuk. Ah bah il vient de prendre un but, tu vois, voilà, ça y est. Donc voilà, ah bah mais voilà. Il est dans la pire équipe de J-League, et il est très franchement l'un des meilleurs gardiens du championnat. Alors pour le coup, c'est vrai que ça le change de Jeonbuk, parce que pour le coup, il a du taf. Hein. Et ah c'est bah... aussi pour ça qu'il arrive à montrer ses qualités. Après, ce qu'on peut se dire aussi, concrètement, c'est que, tu sais, c'est le fameux argument du tremplin qu'utilisent beaucoup de joueurs quand ils vont dans des clubs de merde de première ligue, c'est que si tu te fais repérer par un gros, si tu fais une grosse saison, tu peux te faire repérer par plus gros. Donc ça, pourquoi oui, pas. Mais ça, c'est les mecs qui viennent d'un petit club en France. Là, on il est d'accord. Était dans l'un des plus gros clubs d'Asie, quand même. Ah ben bah ça, on est d'accord. Encore d'accord. Si c'était un gars qui quittait Seoul pour aller là-bas, bon, pas de souci, Seoul ne fait rien, voilà. Bon, mais là, c'est vrai que... Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, hein, je suis d'accord avec toi, c'était le transfert le plus un peu what the fuck, quand même. Hein. Et d'ailleurs, je sais même pas ce que fait notre cher ami Yang Hanbin au CRSO Osaka, je sais même pas s'il joue. C'est une bonne question, je sais pas si Letko est encore dans le chat, même le fils pourra peut-être te le dire. Ah si, il joue. Il a joué le dernier match, là. On va saluer Arklun qui vient d'arriver dans le chat. Juste et il a fait une passe décisive. Il a fait une passe décisive face au PSG, attention. Ah bah. Non, il joue, mais visiblement, la période est exceptionnelle. Alors, bien monté sur une compil YouTube, tu finis au Barça. Hein. Attention quand même. Attention. Allez, on est presque à la mi-temps 0-0. Deux énormes. Immense occasion pour Jeonbuk, la tête d'An Kyo-won sortie par Cho Yeon-woo et cette volée incroyable de Kim Jin-soo il y a quelques instants qui est allé écraser le poteau des cages d'Ulsan. Me dis pas qu'il a raté sa touche, le Dwingson. Si. Magnifique. Si. Après, c'est rassurant de voir qu'un juge assistant est encore capable de pénaliser une touche dégueulasse. On en a à peu près 98 sur 100 qui sont juste pas valables. Je sais même pas si les mecs savent ce qu'est une touche valable en fait. C'est ça. Donc voilà. Là par exemple, celle-ci était valable. Voilà. Mais il y en a plein qui ne le sont pas. Non, on est complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est quand même quelque chose que personne ne travaille, je pense. On n'explique pas aux gamins qui sont censés faire les touches comment on fait une touche. Alors, en fait. Parce que c'est pas uniquement tu prends le ballon avec les mains, tu la jettes derrière non, la tête. Non, mais alors en fait, très honnêtement, très souvent, quel que soit le niveau, peut-être pas quel que soit le niveau, parce que tu vois, par exemple, sur des niveaux nationaux, on le fait pas. Mais sur les niveaux en dessous, et plus tu descends dans les niveaux, plus les arbitres sont regardants sur les touches. Alors souvent, les arbitres, c'est des éducateurs aussi, tu vois. Et les arbitres font souvent...
soit refaire la première fois avertisse en faisant refaire la touche, soit applique la règle bêtement, c'est-à-dire rendre le ballon à l'adversaire. Mais sur les, c'est, en fait, c'est quand tu montes de niveau que ça ne se fait pas. D'accord. Mais voilà. Mais sinon, le travail normalement est fait. Hein. Mais voilà. Après, le jour où un arbitre aura le courage d'aller dire, par exemple, je sais pas, il faut que je trouve un exemple d'un joueur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit penalty là ? C'est peut-être ce qui va être regardé. Il se plaint de la cheville. Parce que pour moi, il a été attrapé à la cheville, Sol Yongwu, avant de pouvoir tout taper dans le ballon. Hein. C'est exactement ce que je faisais avec mes U11 quand j'arbitrais une fois gratuit. Non, il n'y a rien du. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, mais c'est vraiment fait beaucoup, hein, Nico. Hein, moi, pour voir des matchs à plusieurs niveaux, franchement, sur les niveaux qui ne sont pas le niveau national, ça se fait. Ça se fait. Je vois des touches tellement dégueulasses que je pensais qu'ils avaient changé la règle. En fait, je pense qu'ils n'ont pas changé la règle, mais enfin, ils ne l'appliquent juste pas. Et voilà, mais après, c'est compliqué d'aller voir Hakimi et de lui dire « T'es gentil, bonhomme, mais tu sais pas faire une touche. » Après, la règle, je vise personne. Qu'est-ce qu'elle apporte de faire une touche comme ça ou pas ? Après, Tu l'envoies pas de la même manière. Oui, mais la règle après, on est d'accord, écrite, la règle dans l'absolu, bon. Mais c'est par rapport à la règle, on sait que les mecs la respectent pas, mais est-ce que si on la vire, ça changera pas la face du foot, je pense. C'est ça, je préfère qu'on vire cette règle-là plutôt qu'on touche aux autres. Ils sont plus pointilleux sur les hors-jeux que sur les touches, c'est marrant. Hein. Non, je suis assez d'accord. La majorité, beaucoup de joueurs, je pense, ne savent pas qu'il n'y a pas de hors-jeu sur une touche. Je crois que c'était Adil Rami qui ne savait pas ça à une époque. Parce qu'il y avait eu un but sur une touche et qu'il avait complètement oublié qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Bah, tu sais, nous, on a Luis Suarez qui a réclamé un pénalty parce que le gardien a sorti un ballon de la main. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, parfois, dans la chaleur, hein, les mecs... Les mecs qui partent en sucette sur n'importe quoi, hein, donc voilà. Mais c'était c'est la mi-temps entre Ulsan et John Book 0-0. Et je crois que c'était au Brésil, c'était Ronaldinho qui avait fait qui avait entubé tout le monde comme ça. Il avait une touche pour son équipe. Il avait été demandé une boisson, il avait été demandé la bouteille d'eau au gardien. Et le gardien lui avait filé le ballon, lui avait filé le petit truc d'eau. Il boit son eau le temps que son pote récupère le ballon pour faire la touche. Mais il est genre 10 mètres derrière tout le monde, puisqu'il est en train juste de boire un coup, quoi. Et au moment où il fait signe à son pote... Ah oui, exact. Il fait signe à son pote, il jette la truc d'eau, et puis hop, il part avec le ballon, centre, but. Mais voilà, je me souviens de cette image, c'est vrai. Ah ouais. Exact. Il piège... Bah oui, c'est exactement ça, c'est malin. Ah, donc voilà, mais après, je pense que maintenant, ils connaissent quand même un petit peu la règle. Après, mais on est d'accord hein, sur l'aspect des touches, je pense que... Mais d'ailleurs, ils n'ont pas viré la règle, mais dans l'application, elle n'existe pas. À part ce soir, en fait. Par contre, ça fait rire beaucoup de monde quand on dit qu'en Corée, ils ne savent pas faire une touche parce qu'elles sont refaites régulièrement. Oui. Je pense que c'est plutôt parce qu'eux, ils respectent la règle. C'est ça. C'est ça. Bon, on vient d'en avoir l'exemple à l'instant, hein, juste avant la mi-temps. 0-0 entre Ulsan et John Book. On est en train de perpétuer la tradition des live K-League à 0-0. On est des chats noirs. Bah oui, et d'ailleurs, ça. Tu vois là sur cet écran, sur ce plan large, la pelouse est pas spéciale. Alors, je pense qu'elle est pas forcément meilleure d'un côté comme de l'autre. Non. Parce que alors, t'as des zones dans la surface de réparation. Oui. Je pense qu'il y a plus un morceau, il y a plus un bout de gazon, quoi. Effectivement, la pelouse est en état très très compliqué. Effectivement. Et il y a un jardinier qui s'affaire au point oui. de pénalité. Il est au point de pénalty. Il est tout seul. Il est tout seul. Il a un quart d'heure pour faire tout le terrain, le bonhomme. Hein. On va lui souhaiter bien du courage. Il a un quart d'heure pour tout faire. Donc, Le pauvre, voilà. Il est vraiment. Il y en a qu'un qui. Ouais, il est tout seul à regarder l'état du terrain. Super. Bon courage à lui. Hein. Pendant que les autres s'échauffent et continuent de maltraiter la pelouse. Voilà. Bref, bon, il a fait juste acte de présence. 0-0, on le disait, donc entre Ulsan et John Book. Si on revient sur cette première mi-temps et si on analyse un petit peu, tu as expliqué en début de rencontre les dynamiques différentes entre les deux équipes. Eh bien, mine de rien, ça se ressent quand même hein, sur le terrain. Avec, on n'a pas la sensation que le leader insubmersible, entre guillemets, de la K-League.
ça soit Ulsan. On a la sensation que, enfin, on n'a pas la sensation, même sur les faits sur la première mi-temps, c'est John Book qui maîtrise ce premier acte. Exactement. C'est Ulsan est un petit peu en crise de confiance. Et je pense qu'ils jouent un peu avec la peur au ventre. Et ça, c'est jamais bon, parce qu'on ne les a pas vus vraiment développer leur jeu. D'ailleurs, la doublette au milieu de terrain, si on ne les a pas vus, Kim In-yeok et Lee Dong-yong, très sincèrement. Quand ça a été une phase d'attaque, on a surtout vu les trois ou les quatre. Ouais, enfin, même à Martin Adam, on ne l'a pas beaucoup vu. Ça a surtout été Vako qui lançait les offensives. Mais globalement, on n'a pas le jeu d'Ulsan de ce début de saison ou même de l'année dernière. Et pourtant, John Book n'est pas non plus exceptionnel. Ils font une bonne conservation de balles, mais ils ne se mettent pas non plus en position pour marquer des buts. On l'a eu deux fois, hein, mais sur un corner dégagé. Donc ça, c'est... Voilà, j'appelle pas ça être dans le jeu. C'est un corner qui a été dégagé et Kim Jin-soo a sorti une frappe incroyable. Après, il n'y a que celle de Han Kyo-won qui a été une tête sur un bon centre extérieur de Moon Sun-min. Mais globalement, John Book n'a pas mis en danger le bloc défensif d'Ulsan. Donc, Ulsan aurait bien tendance à essayer de sortir un peu plus, sachant que sur les contres, on a vu qu'il pouvait mettre en difficulté la défense de John Book. Et ça, je pense que Petrichko n'est pas très d'accord sur ce point-là. Je pense que ça va aussi un peu gueuler sur le replacement défensif. Mais globalement, oui, Ulsan peut faire beaucoup mieux que ce qu'ils ne font, clairement. Et s'ils sont amenés à prendre un but, moi j'ai peur pour les matchs des prochaines semaines, parce que ça va être encore ça va tergiverser dans la tête et ça va pas être bon pour eux. Ouais, parce que de l'autre côté, Pohang, si Pohang se met à gagner demain face à des jeunes, 8 points d'écart, sachant qu'on arrive bientôt à la scission, comme je le disais, on peut avoir un bon retour de Pohang. Ouais, parce que très concrètement, la stratégie... Parce que c'est clairement un plan de jeu, hein, du côté d'Ulsan, on l'a dit tout à l'heure, hein, il n'y a pas de pressing pour empêcher John Book de monter ses lignes, on se replie en bloc, alors ça fonctionne très très bien défensivement, il n'y a aucun problème. Cette stratégie-là, quand tu l'appliques face à des équipes de bas de tableau, tu finis toujours par percer, parce qu'il y a un moment où ça va passer sur un contre, ou sur un coup de pied arrêté, ou machin comme ça, mais quand tu vas arriver après la scission à jouer que les équipes du top 6, c'est quand même une stratégie un petit peu risquée. Ah bah complètement. Là, c'est. Mais c'est. Encore une fois, hein, c'est pas dans les habitudes d'Ulsan, donc c'est assez particulier, enfin, c'est assez étrange de les voir faire ça. C'est vraiment, je pense, une crise de confiance, sachant que la semaine prochaine, ils affrontent Séoul. Donc Séoul, alors, tout le négatif qu'on a de Séoul, mais Séoul aime beaucoup avoir le ballon. Et ça peut encore mal tourner pour Ulsan, surtout quand on voit les derniers matchs entre les deux clubs cette saison. Après, ils ont Gwangju. Enfin voilà, c'est-à-dire que si aujourd'hui ils ne gagnent pas, ils peuvent continuer une bonne série de matchs assez compliquée. Après, il y a des jeunes qui est l'équipe qui les a le plus inquiétés cette année. Donc on a quand même une série de 4 matchs là, en comptant celui-là, où ça peut. Ouais, c'est-à-dire que même avant la scission, ils ont des rendez-vous compliqués. Oui, et ils affrontent aussi Pohang avant la scission. Donc ils ont quand même un calendrier qui n'est pas simple. Donc il serait peut-être intéressant pour eux de se remettre la tête à l'endroit. Mais en sont-ils capables? Quand on voit ce qui se passe là aujourd'hui, ça semble compliqué. Ouais, exactement. Et ça serait. Enfin, franchement, alors on va pas jouer les oiseaux de mauvais augure ou voilà. Mais si ça venait à choc, ça serait quand même assez énorme. Ils ont eu jusqu'à combien d'avance, Ulsan? Ils avaient 18 points à un moment, 16 ou 18. Mais j'ai l'impression que depuis le retour en juin, trêve internationale, il y a un truc qui s'est cassé. Et depuis l'élimination en FA Cup, il y a un truc qui s'est cassé. Voilà, ils ont dans le jeu beaucoup plus de mal depuis la trêve qu'avant la trêve. Ouais, parce que, par exemple, hein, là, pour dire les choses clairement, hein, sur les dynamiques, on est sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs côté Ulsan. 3 défaites, 1 nul, 1 victoire, hein, sur les 5 derniers matchs pour Ulsan. Donc, voilà.
C'est... Oui, et on sait que les trêves internationales peuvent être fatales. Hein. Je ne sais pas si on se souvient, pour Suwon, les Blue Wings, qui étaient quatrième, il y a eu la période... d'ACL en hub, ça leur a fait une pause, il y a eu la trêve internationale en même temps. Swan n'a plus remis un pied devant l'autre et a failli descendre. Et depuis, ils n'y arrivent plus. Ça peut avoir des incidences. Donc il faut que Ulsan se remette très vite en avant. Sinon, on peut relancer un petit peu l'intérêt de la K-League. Est-ce qu'il serait... Bon, après, on va pas s'en plaindre, nous, en tant que suiveurs, hein, si la K-League retrouve une once de suspense, parce que c'est vrai que le fait que John Book a complètement foiré son début de saison, ça revient, mais bon, voilà, il y a quand même beaucoup trop de retard, très clairement. Enfin, on sait jamais, il y a quoi, 16 points là avant le match, hein. C'est beaucoup. Oui, mais après, je pense que pour John Book, là, le championnat est fini. Voilà, c'est ça. Et je pense que pour Pohang, ça peut leur permettre d'y croire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas eu droit à notre traditionnel duel Ulsan-John Book, parce que d'habitude, ces deux-là sont tellement loin devant les autres. Mais au moins, on a ce suspense-là de savoir entre les deux qui va sortir. On était parti quand même pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, sur le début de cette compétition, de cette K-League 2023, se dire bon, il n'y aura pas de championnat cette année, quoi, concrètement. Bah, et finalement, bah, tiens, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut donner la chance au produit maintenant. À Pohang aussi de faire le travail. À Pohang aussi de faire le travail. Parce que sachant qu'il y aura encore deux Pohang Ulsan, ça peut faire 6 points dans la... Oui, c'est ça. S'ils reviennent à 8 points et qu'il y a deux affrontements directs, attention quand même. Attention. Bah, c'est ça. Donc Ulsan, là, par rapport à leur dynamique, et je parle uniquement par rapport à leur dynamique, ils auraient tout à faire de gagner ce soir. Ouais, exactement. On va donner quelques scores. Raph nous dit que Gamba mène 1-0 à la mi-temps face à Sangbumkem FC. 1-0 à la mi-temps pour Gangwon face à Suwon, hein. Tu me corriges si je me trompe, mais c'est ce que je vois. Non, c'est bon. Et d'ailleurs, c'est l'ambiance plage aussi à Gangwon, parce qu'il y a pas mal de personnes avec des bouées, avec des masques de plongée dans les supporters. Donc je pense que c'est un thème. Ambiance plage. Et il y a le... Ouais. Et il y a le VAR aussi à Seoul pour savoir si le but de dégoût est valable. Bon, Ikeno, il pousse quand même bien, bien, bien le gardien, mais ouais, il est... Est-ce que le gardien... Ouais, je sais pas, difficile à dire. Tu fais bien de parler de l'ambiance plage, parce que chose promise, chose due, voici la fameuse image. So sexy. Voilà comment on promeut un maillot. Donc en fait, si je comprends bien l'histoire, la couleur est liée à la couleur de cette planche de surf. Et je pense. Alors que le but de dégoût était validé. Encore une fois, je pense que Seoul va gueuler sur l'arbitrage avec ces trucs-là. Mais voilà, effectivement. Voilà d'où vient le maillot d'aujourd'hui. Voilà. Je vous laisse cette image à l'écran, histoire que vous appréciez cette magnifique campagne publicitaire. Mené par le club, hein, pour vendre ce remarquable maillot. Et tu noteras que tout ce qui peut ne pas être agréable à la vue a été enlevé, notamment les pieds des footballeurs. Un bout des pieds. Ouais, parce que, et là c'est quelque chose de très sérieux, la Corée avait fait, alors un journal en Corée avait fait un article sur les pieds des sportifs. Et notamment, alors c'était notamment pour les féminines, pour parler de la féminité au niveau des pieds. Donc ils avaient pris une danseuse étoile, une championne d'escalade et des joueuses de foot. Et en fait, on se rend compte que leurs pieds, c'est quelque chose de... Voilà, c'est détruit en fait par le foot. Donc je pense que ça n'a pas été mis pour éviter qu'on voit que les pieds de Lee Dong-young sont détruits par le foot. Et donc on serait plus dans le saut sexy. Ah d'accord, ok. Donc, il y a un problème avec les pieds en Corée du Sud. Non, pas un problème avec les pieds. Je pense que c'est... Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les pieds des sportifs. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais je pense qu'à la fin de leur carrière, ils sont détruits. Oui, non, ça c'est vrai. Mais tu arrives à le voir de temps en temps. On parle des footeux, on arrive à le voir parfois sur des documentaires ou des images de vestiaires ou de joueurs en phase de rééducation ou des choses comme ça. On arrive à le voir quand même ça parfois, que effectivement les pieds, c'est problématique. Quoi. Ouais, et c'est un vrai sujet. Et en Corée, je sais qu'ils avaient beaucoup parlé de ça.
Alors, par le biais de la femme, etc. Mais ça avait mis beaucoup de... Voilà, ça en avait beaucoup parlé et les joueuses avaient vraiment expliqué que bah, globalement, aujourd'hui, leur pied était comme ça et qu'il y avait des médecins qui disaient qu'elles récupéreront jamais. Je crois que c'était Libina qui avait plus d'ongles sur un des orteils, mais elle ne le récupérera jamais. Sachant que chez les féminines, il y a un autre problème, puisqu'on évoque les pieds et tout, en termes de football, il y a un vrai problème qui est en train, à peine il y a des portes qui commencent à s'ouvrir, qui est le fait que les filles sont contraintes d'utiliser les mêmes crampons que les hommes. Parce qu'il n'y a pas de chaussures adaptées à des pieds féminins. Enfin, il n'y a pas de crampons adaptés aux pieds féminins. Ce qui peut, je pense, aussi avoir d'autres conséquences là-dessus. Je sais plus quelle marque récemment a lancé sa gamme uniquement dédiée aux féminines, ce qui est une vraie avancée pour le coup, parce que c'est vrai que bah, c'est anatomique, quoi. Les pieds n'ont pas la même structure, quoi. Oui, et voilà. Donc, c'était un sujet, je pense que c'est un sujet qui doit évoluer parce que c'est quand même leur outil de travail. Et voilà, donc je pense que c'est pour ça que la photo est coupée. Ok. Voilà, c'est juste une remarque. Non mais voilà. Ils avaient profité de la Coupe du Monde pour le faire et ils avaient pris une grimpeuse qui fait de l'escalade, donc une... alors j'ai oublié le nom, Kim G, je crois qu'elle s'appelle, qui est, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est très forte, hein, qui était championne du monde, etc. Hein, donc elle est une fille qui n'est pas la première venue. Et qui, pour le coup, disait elle aussi qu'elle passait son temps dans des chaussons qui ne sont pas forcément bons pour les pieds, mais toute la journée, elle grimpe, etc. Les filles disaient, bah, nous, on tape toute la journée dans un ballon, on nous marche sur les pieds, etc., etc., etc. Donc, ils ont des pieds qui ne sont pas... Et on sait que la chaussure de foot est de plus en plus fine, ouais, et légère, et donc ne protège de moins en moins bien les pieds des footeux. Complètement. C'est clair qu'on n'est plus dans les crampons, dans les chaussures en cuir que j'utilisais moi quand j'étais gosse. Hein. Quand tu vois les crampons, bah, j'en ai encore une paire et j'en ai acheté une autre là il n'y a pas longtemps. C'est pas la même chose. Hein. Non, c'est pas la même chose. Et en plus, c'est pas la même chose aussi sur la durée de vie de la chaussure. Hein. Ah bah ça, je te le confirme. C'est un autre débat, mais c'est quand même pas... c'est pas le même combat. Hein. C'est la même passion, mais pas le même combat. Non, c'est ça. C'est ça. Alors la K-League c'est génial, oui le match est très bien, 0-0, et le match reprend, deux énormes occasions et ça vient de redémarrer, je peux relancer le chrono, ça vient de redémarrer entre Ulsan et John Book, 0-0, et on a un très bon match jusqu'ici, vraiment pour le coup, on n'est pas sur un 0-0 pénible, on est sur un bon match, on s'attend quand même à avoir un petit peu plus, surtout côté Ulsan en deuxième mi-temps, d'ailleurs on va voir, puisque ce sont les Tigres qui sont les premiers à se lancer entre guillemets à l'assaut, mais ce ballon de Kazaïchvili a été contré. Il va y avoir peut-être justement un contre de la part de John Book. Ouais, là, c'était pas la bonne idée ça, Moon Sung-min sur le dribble, sur le crochet externe. Ouais, mais on sent que la pelouse elle est compliquée quand, ouais, on change d'appui. Hein. C'est, bah, on c'est pour ça, ouais. Il a du mal à, et puis ça a du mal à redémarrer. Hein. Et puis ça lève des morceaux. C'est pour ça que quand il est parti sur le côté comme ça et qu'il a tenté son petit crochet externe pour revenir, c'était pas d'une bonne idée parce qu'il allait perdre, il allait avoir un problème d'appui, c'était clair. Le tank Martin Adam va marquer. Alors déjà le tank, faudrait le trouver parce que franchement, il vient de faire l'engagement. Je pense que c'est son premier ballon du match. Hein. Ah, on l'a pas beaucoup vu, malheureusement. Mais à Martin Adam, c'est assez particulier. Depuis qu'il est arrivé à Ulsan, on le voit très peu et par moments il sort de sa boîte et il met un but. C'est ça. Je me souviens de quelques entrées l'année dernière où bah, tu t'appelles. C'est un gars qu'on voit très peu dans les matchs. C'est que c'était mauvais signe pour l'adversaire en fait. C'est ça. Sinon, tu l'avais pas vu. Et d'ailleurs, il est jamais titulaire indiscutable parce qu'on le voit jamais. Mais en fin de match, il rentre, il peut mettre. Bon, après, faut dire que la concurrence elle est solide quand même. Il y a des années, la concurrence n'est pas forcément solide. Non, hein. Mais cette année. Cette année, oui, c'est Joe Minko quand même. Meilleur buteur. Bah oui. Là, pour le coup, voilà. Mais pour le coup, justement, il devrait pouvoir se servir de ce genre de match pour. Mais bon, après. Tu vois, regarde, par exemple, il court pas. C'est non. Le mec qui marche. Mais c'est par contre, il a pas besoin de courir lui. Comme Messi. Après, il est pas taillé pour courir. Hein. On va pas se mentir. Il n'est pas taillé pour faire du pressing non plus. Et à sa décharge, pour l'instant, c'est compliqué dans le jeu pour Ulsan. On en revient à ce qu'on disait à un moment pour Seoul, hein, quand on parlait du problème de l'avant-centre. Là, il est dans cette problématique-là. C'est que
Enfin, c'est que ça ne dédouble pas, ça ne déborde pas côté Ulsan, ça ne peut pas jamais le servir en fait. C'est ça, c'est qu'il y a, en fait, ça se joue que en contre. Et enfin, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il n'y a aucun pressing. Ah mais c'est ça. C'est... Bon, après, John Book n'est pas non plus, mais pas le feu, hein, mais il n'y a aucun pressing. Et donc, mais... John Book approche progressivement, calmement. Mais tu veux que je te dise, ça va faire rire peut-être certains, mais si on doit comparer à quelque chose, c'est franchement, hein, c'est Bordeaux face à Concarneau, ce que fait Ulsan. C'est-à-dire qu'on reste en bloc bas, à 35 mètres, ouais, à peu près, médian bas, on est à 35 mètres de ses buts, deux lignes très resserrées, aucun attaquant qui sort au pressing, et on laisse l'adversaire avancer. Voilà. C'est exactement ça. Et il n'y a jamais eu le moindre pressing. Hein. Et il y a un moment où ils vont le payer. Elle est très très belle, cette passe de Boateng. Le centre à venir, ça va passer devant Nkyo-won, me semble-t-il. C'est pas fini. Parce que non, ça c'est continue. Pas tout à fait fini. Deuxième possibilité, peut-être à venir. Avec Boateng qui était à l'origine hein, de cette action avec cette transversale. Pas mal, hein, Boateng au milieu là. Je sais pas d'où il vient, lui. Il arrive d'où Kludge. Il vient dans les valises de Petrescu. Ok. Donc je pense que c'est un homme fort de Petrescu, mais très 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 bonne arrivée depuis qu'il est là. Et je pense que c'est pour ça en fait. Je pense que pour ça que Paek Sung-woo joue plus haut parce qu'ils ont trouvé Boateng qui peut contrôler le milieu de terrain et qui peuvent utiliser, on va dire, Paek Sung-woo un peu plus haut, qui est son poste naturel. Ouh là là, lui qui a été recyclé en 8. Ouais, c'est ça. Et parce que Boateng est posé, hein, posé devant sa défense en fait, et c'est la première plaque tournante en fait de cette équipe, véritablement. Et là, c'est passé à rien, hein, la déviation de Park Jae-yong. Alors que si ça passe, je sais pas qui le tacle dessus, peut-être Kim Ki-hee, je pense, vu l'endroit où c'était. Et s'il arrive à la dévier derrière, ça aurait pu être compliqué pour Ulsan. Hein. Que Suwon FC vient d'égaliser par le grand, magnifique Lee Sung-woo. Donc un but partout dans les deux autres matchs, hein, c'est ça? Exactement. Et que chez nous qui n'avons pas de but. C'est normal, c'est un live K-League sur Hello. Il n'y a pas de but. Puis, je pense que Ulsan devrait aussi se mettre un peu plus en mouvement, parce que s'ils sont arrêtés avec les appuis dans cette pelouse, ils vont s'incruster, ils vont moins surgir en fait. C'est tellement gadou. C'est vrai que là, c'est quand même très très compliqué dans le jeu Ulsan, hein, ce qu'il propose. Il propose pas grand-chose. Ouais, c'est le mot. Voilà. Ils proposent rien. Ils sortent pas, ils attendent, hein, ils sont posés. Il y a alors deux lignes qui viennent pas véritablement chercher les joueurs de John Book dès que le ballon est au niveau de la ligne médiane. Et on attend tranquillement côté Ulsan. Après, John Book n'en profite pas parce qu'ils sont très à plat devant. Ouais. Ils ont leurs quatre joueurs qui sont sur la même ligne et personne entre les lignes. C'est-à-dire que Boateng, s'il veut faire une passe, bah, il est obligé de faire un long ballon, soit sur une aile, soit à terre. Et en fait, c'est très simple aussi à défendre pour Ulsan. Donc, globalement, tactiquement, c'est assez particulier ce qu'on a. On n'a pas non plus beaucoup de rythme. Voilà, là, le ballon, il... Ouais, parce qu'il y a un blessé. Ouais, il y a un joueur qui est resté au sol. Et globalement, ça ne court pas beaucoup, je trouve. Non, c'est ça. Ça met pas de rythme. Romain Sang qui est resté au sol, mais qui était entré lui aussi. Ça commence à s'échauffer du côté. Enfin, ça doit faire un moment que ça s'échauffe côté Ulsan. C'est juste le caméraman qui a peut-être envie que ça bouge un peu. Je vois pas comment il peut se blesser. Est-ce qu'il lui marche dessus Mais je pense que Moon Sun-min lui marche dessus. Le tacle du côté de Gangwon là. Mais on a du mal à se trouver entre les lignes côté John Book, ce qui est lié aussi au fait que. Bah, c'est quand même très très dense en face, hein. donc c'est compliqué de créer des décalages. Mais ouais, ça manque peut-être un peu de vitesse. Le terrain n'aide pas non plus à 1 mètre de la vitesse. Hein. Non. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de mouvement. Non. Des deux côtés, hein. Clairement, ça vient pas chercher un ballon. Boateng, il a un peu le ballon, mais il sait pas trop quoi en faire. Paek Sung-woo finalement reste très 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 offensif et n'est pas entre les lignes comme on pouvait l'imaginer. C'est vraiment un 4-4, enfin c'est même pas un 4-4-2 à plat en fait, c'est un 4-2-4 à plat. Parce que même les latéraux de John Book ne montent pas. Non, c'est ça. Ils sont vraiment sur
Ils sont vraiment sur trois lignes avec, comme tu disais, ce double, on va dire, on serait en Amérique du Sud, on parlait d'un double pivot. Mais pas de possibilité de trouver des joueurs qui vont décrocher ou voilà, il n'y a pas de profondeur non plus. C'est compliqué. Bon, c'est compliqué de trouver de la profondeur quand tu as un bloc qui est posé à 30 mètres de ses buts. Hein. Mais oui. Mais bah, là, tu utilises pas. Tu vois, ils n'utilisent pas, par exemple, Ankyowon ou Moon Sunmin qui pourraient jouer dans la profondeur et ils ne les utilisent pas. Quoi. Et ils n'utilisent pas non plus leur avant-centre pour faire une sorte de pivot. Oh, attention La voilà, la réaction d'Ulsan. Voilà, un petit peu plus de vitesse, des appels sur les côtés, Son Yong-woo qui rentre, une déviation, et voilà, globalement, rien, voilà, magnifique ouverture. Et belle parade de Kim Jong-un. Hop, ça court. Un, pardon. Voilà. Globalement, il suffit d'accélérer un petit peu et on a des actions. Donc, je pense que ça peut servir aux deux équipes. Il y a eu un dédoublement, voilà. C'est bête, hein. Les deux joueurs de couloir qui ont combiné ensemble. Et l'ouverture est superbe aussi. Hein, ouais, exactement. Préciser. Bonne frappe derrière et bonne intervention du portier de John Book. Et corner à venir pour Ulsan. De la droite vers la gauche, quand on regarde le but. Le voici, ce corner. Qui a passé le premier poteau. Nouvelle parade énorme. Du portier de John Book. C'était Kazachvili la reprise? Non, c'est pas lui. Je pense pas. Lui, il était à la retombée derrière. Et salut à Rudy. C'est Jung Sung Yeon qui le prend de la tête. Et ensuite, c'est Martin Adam qui traîne. Elle est malheureusement un peu trop... Ah non, c'est, ouais, non, c'est Kazachvili qui traîne. Elle est malheureusement un peu trop sur le gardien, la tête. Elle aurait mérité de viser un peu plus le poteau. Mais deuxième grosse situation pour Ulsan. Il n'y en avait pas eu comme ça hein, en première période. Alors, je pense qu'on devrait changer de match. Mais là, on vient de voir quelque chose d'incroyable. Avec Seoul dégoût. Parce que comme on a un peu de temps... Han Sung-yu et Palosevic se sont disputés pour faire un coup franc. Donc vraiment disputés, hein. Ils se sont arrachés le ballon, etc. Ouais. Finalement, aucun des deux ne l'a tiré. Le joueur qui le tire... L'envoie dans les tribunes. Non, mieux. Si je dis pas de bêtises, c'est Kim Shin-jin qui le tire. Parce que j'ai juste vu le coup franc, mais oui, c'est ça, c'est Kim Shin-jin qui le tire. Il fait un vieux coup franc tout pourri à terre. But. Parce que le gardien la laisse passer. Il plonge, mais je sais pas ce qu'il fait avec ses mains là, au Sungyo, mais il la pousse dans son but. Et ensuite, tout le monde se fait des bisous. Et bien évidemment, Palosevic, en venant célébrer, il a mis un coup de poing à un de ses coéquipiers, sans faire exprès. Magnifique. Voilà. On est dans un gros match, hein. je tiens à le préciser. Le but de dégoût est superbe, une balle en cloche qui retombe sur le derrière de la tête de Lee Keno. On est bien. On est bien. Et ça fait 2-1 donc pour Seoul. 2-1 pour Seoul. Ok. Est-ce que je fais Il n'y a que chez nous, hein, où finalement. Il n'y a que chez nous. On a vu. Alors, je suis un peu inquiet parce qu'on a vu Jung Min-kyu sur le banc, assis. Donc, aussi actif que Adan dans la défense adverse. Ce qui n'est pas bon signe hein, pour se dire qu'on va le voir entrer. Il ne va pas entrer tout de suite. Hein. Je ne sais même pas s'il va entrer tout court à ce rythme-là. Et globalement, regarde, tu regardes les stats. Ulsan est repassé devant nombre de tirs. Incroyable. Exactement. 6 tirs à 5. Et là, depuis 5 minutes, il conserve le ballon et il joue beaucoup sur Son Yong-woo. Je pense qu'il y en a qu'un qui veut mettre du rythme, c'est lui. Et ils en profitent. Ouais, parce que ça combine toujours hein, dans ce couloir droit. D'ailleurs, il faudrait que je remette le Dingson à gauche parce que je l'ai mis à droite. Alors qu'on avait dit qu'il était à gauche. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Tu fais la troisième place ce soir aussi? Oui, Rudy, on ouvrira par le match de la troisième place. Alors, je vais aller changer la... C'est pour ça qu'on prend l'antenne à 23h50 parce que je crois que le match de la troisième place est à minuit en Leagues Cup. Voilà, pour ceux qui viendraient à se poser la question de savoir de quoi on parle. Ah oui, la fameuse compétition qualificative en Libertadores. Voilà, c'est ça. En finale direct. En finale de Libertadores. Ah oui. Enfin, même limite avec 3 buts d'avance. Okay, avec 3 buts d'avance, si Messi a une action décisive dans le match, ce soir. C'est-à-dire passe-dé ou but. Voilà.
C'est ça. C'est dans les règlements. Et, si... et quand Messi marquera, ça fera compte double, comme Exactement. Dans Mario Striker Church Football. Exactement. Parce que c'est la star de l'équipe. Voilà. Et s'il a mis un but de l'extérieur de la surface, il a un trophée particulier. Et je pense qu'on va même essayer. On va même essayer la règle d'Arsène Wenger. Où oui. Non, c'était Jean-Marc Arriero qui disait un but en dehors de la surface contre triple ou je sais pas quoi. Merde, comment il s'appelle ? C'est l'ancien président de l'OM là. Ouais, c'est Héro. Ah oui, Héro, pardon. Héro là. Voilà. On peut essayer, mais juste pour Messi. Juste pour Messi. Oh, attention, parce que ce ballon, deuxième poteau, magnifique la remise. La remise de Sol Yong-woo, effectivement, c'est le seul danger. Hein. Mais crois que c'est Vako qui fait l'ouverture, elle est pas mal quand même. Hein. Mais ils n'arrêtent pas de faire des ouvertures sur son côté. Ouais. Ils n'arrêtent pas. Ils ont identifié que Kim Jin-soo était toujours pas un bon défenseur. Un très bon attaquant, mais pas un très bon défenseur. Donc ça, ils ont mis du temps à le comprendre. Mais à chaque fois, là, regarde, par exemple, Jung Sung-yeon a le ballon. Premier hop, il lève la tête, il regarde dans la zone. Il regarde à droite. À sa décharge pour Kim Jin-soo, Moon Sung-min, le repli, c'est un concept. C'est deux joueurs qui sont que offensifs. Parce que là, Moon Sun-min ne vient pas du tout d'un coup de main. Regarde, c'est Petr Hacek qui doit venir. Tout seul, il va pouvoir resservir. Le centre, il est bon. Et Adan, il a enlevé le ballon. La reprise derrière, elle est complètement écrasée. Martin Adan, je crois qu'il a enlevé le ballon à son coéquipier. Du coup, c'est vrai le truc de Tapia sur le fait que l'Argentine a envoyé, qu'ils ont envoyé un truc pour inviter l'Inter Miami. Écoute, ça n'a pas été confirmé par la CONMEBOL. Et Moon Sun-min sort. Ouais, Moon Sun-min sort, Son Min-kyu le remplace, identifié. Park Jae-yong sort et Raphaël Silva rentre. Alors, je sais. Alors Lee Dong-young sur sa frappe a essayé entre le lob, la balle piquée en lob et la frappe. Il a hésité, ce qui fait que ça fait une frappe complètement manquée. Alors tu m'as dit au niveau des entrées. Moon Sun-min sort, remplacé par Son Min-kyu et Raphaël Silva remplace Park Jae-yong. Park Jae-yong, pas Park. Packaging. Oui, attention à la bonne talonnade derrière. Est-ce qu'il va trouver un coéquipier? La frappe de Boateng écrasée, déviée. Choyonou, il a eu un petit peu de mal à la contrôler. Il était un peu piégeux ce ballon quand même. Dévié et Choyongu, faut que. Alors, très bon gardien qu'il est, a toujours du mal sur ces frappes-là. Voilà, à sa décharge, elle est un. Bon, il y avait du hors-jeu. Raphaël Silva était hors-jeu. Elle n'est pas hyper facile. Il a toujours du mal sur les frappes lointaines à rater comme ça, les capter du premier coup. Il en laisse souvent sortir. C'est un peu son défaut avec le jeu au pied. Voilà. Mais pour le reste, ça demande une main, effectivement. Il y aura une petite mimine. Alors que... Non, c'est pas un pénalty là-bas. Tu m'as dit qui était sorti ? Park Jae-yong, numéro 10. Ouais, c'est ça. Et numéro 27, Moon Sun-min. J'avais complètement zappé qui était le deuxième changement. Alors que... Non, mais le terrain, c'est une catastrophe. Ouais, le terrain est terrible. Vraiment, et sur les plans serrés sur les joueurs, on n'a pas envie d'être à leur place. Sur les ralentis, le nombre de morceaux d'herbe qui... Ouais. Et ce qui est assez intéressant, je pense que le FC, c'était Foul Committed, donc c'est le nombre de fautes. Il n'y a que 10 fautes dans ce match, c'est pas beaucoup. Hein, pour un... Non, vu que personne n'est au contact de son vis-à-vis et que tout le monde marche, il a raté. Il a raté le ballon de la tête sur le centre. Ouais, très bon centre tendu. Ouais, Kim Jin-soo, hein, je pense, le centre. Là, il y a corner, là, monsieur l'arbitre, parce que alors, la passe de Ludvigsson, c'est un concept. Hein. Ouh, il nous fait un match, lui. Il fait un match terrible. Déjà, on le voit pas. Et dès qu'il fait quelque chose, il le rate. Mais bon, il est team moustache, donc ça fonctionne. Attention, le corner à suivre pour Paek Sung-ho et John Book. Petr Hacek, Jung Tae-wook, ça va faire parler l'altitude là, sur alors, les deux. Petr Hacek, ça serait bien pour lui, parce que lui aussi... Déjà que Jung Tae-wook est très grand, mais Petr Hacek est encore plus grand. Ouais. Ouais, là, si vous avez les images, vous avez le duo 2-3. Vous avez deux tours. Alors que Petr Hacek est carrément plaqué. Hein. Complètement. Sur le corner, mais il se passe rien. L'arbitre a fait signe, ça va. Tranquille. Il y a un joueur qui est resté au sol, mais alors Petr Hacek, il n'a pas pu bouger. Ça va peut-être être revu cette histoire. Hein.
Alors Petrašek, s'il avait voulu prendre le ballon, c'est pas possible, il avait un gamin accroché à ses basques. Regarde. Ah mais non, c'est là, si là, et en plus ouais, il a une fois péno là. Et il y a le deuxième qui vient faire une RKO Randy Orton quoi. Eh ben ça L'arbitre, joue. Non, ça joue. Ça joue. Attends. Ouais, ça non, joue. Non, ça joue. Ça joue. Tranquille, rien du tout. Oh, le contrôle de Boateng, il était compliqué. Nouveau corner pour John Book. On a passé l'heure de jeu 0-0. On a eu enfin une réplique côté Ulsan. Une double réplique côté Ulsan. Et là, c'est au tour de John Book de se réinstaller dans le camp de l'actuel leader de K-League. Le ballon n'est pas sur la ligne, monsieur Peksongo. Ah, il faut juste qu'un petit bout soit au-dessus et je pense que c'est bon. Voilà, pas au contact, encore... c'est juste au-dessus. Ouais, comme le but du Japon à la Coupe du Monde. Je crois. Je pense que là, en vue aérienne, ça touche le... Tu sais, en goal line technology, on est au-dessus de l'arc. Allez, ça discute au niveau de l'arbitre. Ouais, faudrait qu'il soit attentif parce qu'il y a eu un gros plaquage quand même sur le précédent. À la décharge du défenseur, je sais pas quel est le défenseur qui est sur Petrašek, mais il lui mange une tête. Hein. Ah bah oui, mais c'est pas parce qu'il mange une tête qu'il faut qu'il lui fasse un plaquage. Ah non, je suis d'accord. Mais tu te dis qu'il peut pas le battre à la régulière, quoi. Ouh, le... Ah oui, d'accord, donc pas de pied levé. Très bien, et attention, parce qu'il y a une situation de 2 contre 1, voire 3 contre 1, voire 4 contre 3, ça se replie. Il a attendu, il va ouvrir, il va rater le cadre. Alors, la défense de Kim Jin-soo, elle est... c'est juste, je fais acte de présence, hein, parce qu'alors il a pas du tout attaqué Mwosong. Ouais, il y a quand même peut-être un pied levé hein, de Kasachvili au départ de l'action. Mais alors Kim Jin-soo, il est en recul. Ouais. Bon, après il est un peu seul, il y a un dédoublement. Ouais, mais... il est un peu le cul entre deux chaises quand même. Par contre, et je pense qu'il dévie pas un peu la balle des fesses. Par contre, Mwosong, le choix. Bah, c'est comme tout à l'heure, il a fait une Kasachvili. Il y a un moment, tu dois savoir. Ça, c'est marrant parce que ce genre de situation, ça me fait toujours penser à Thierry Henry qui avait raconté une fois qu'il avait halluciné quand il était arrivé en Angleterre parce que les mecs savaient pas jouer des 2 contre 1. Voilà, le truc qu'eux travaillaient quand ils étaient à Clairefontaine, des trucs comme ça, tu vois, des situations de surnombre en fait. Et il avait halluciné que des joueurs pros savent pas jouer en 2 contre 1. Et ils n'avaient jamais travaillé le 2 contre 1. Là, pour le coup, c'était même pas un 2. Enfin, il y a eu une situation de 2 contre 1. C'est devenu un 3 contre 2, puis un 4 contre 3. Et il a joué quoi? Tout seul, quoi, concrètement. Et là, il sait pas jouer, en fait. Il a pas su jouer le surnombre. La possession de balle s'est inversée. Ouais, incroyable. Hein, 58-42. Et c'est fou. C'est parce comme que Kasachvili. Hein, il a pas su jouer le surnombre tout à l'heure. Oui. Et là, pareil. Après, ils veulent peut-être. Ils veulent peut-être jouer les héros, hein, je sais pas, mais... Attention, parce qu'Adan, il a touché un ballon. Ouais, et Adan a touché un ballon, il a fait quelque chose de bien. Il a fait quelque chose de bien, la bonne remise derrière, et la frappe de Lee Dong-yong qui a été déviée et qui va terminer en corner. On commence à essayer d'y croire, on croise les doigts dans les tribunes. Et on prie comme si c'était une finale, c'est ouais, ça qui est drôle. C'est incroyable, c'est beau. On la voit, hein, elle est juste derrière, là. Juste en dessous des pubs superbes de Paris Sportif. Voilà, exactement. Les 175. On ne voit pas les gens qui sont cachés derrière. Non. Il y a du monde hein, derrière ces bandeaux, hein, mais on les voit pas. Oui, c'est ça. Et donc, Guillaume, à nouveau, la frappe contrée. Claquette à nouveau du portier de John Book. Ah, la solution peut peut-être arriver de loin. Hein. On est en train de se montrer très sérieusement quand même côté Ulsan là, hein, depuis une dizaine de minutes. La patte gauche de Lee Dong-yong. Elle n'est pas déviée, hein, et elle était peut-être pas cadrée, mais il a préféré assurer. Je suis pas sûr qu'elle soit cadrée, sa frappe, non. Ouais, il a bien fait de pas prendre le risque. La déviation premier poteau, non, il n'y aura pas. Est-ce qu'on va récupérer ce ballon dans un deuxième temps avec Vako? Corner qui a été raté par une glissade. Et le ballon à nouveau sur le côté gauche. Là, cette fois-ci, il va avoir le temps de centrer du gauche. La déviation au premier poteau. Et mets-lui Boateng. Ah non, Boateng, non. C'est Raphaël Silva. C'est Raphaël Silva, oui, pardon. Ah, et pourquoi il lui a pas glissé le ballon?
Donc Minkyo était parti là. Il était pas hors jeu. Il avait juste à lui glisser. Et là, il éliminait toute la défense. Là, c'est, en fait, il rate aussi son contrôle. Il fait un contrôle dégueulasse. Et derrière, il décide de vouloir s'enfermer dans l'axe. Bon, il obtient la faute et le carton, mais... Mais bon. Voilà, quoi. Il y avait mieux à faire. Voilà. Encore une fois. Encore une situation de déséquilibre qui a été mal gérée. Alors qu'on va peut-être changer d'organisation tactique côté Ulsan. Parce qu'on est en train de faire rentrer Lee Gyu-sang. Donc potentiellement, je pense que Ludvigsson va sortir. On va repasser Vako sur un côté. Et Lee Dong-yong va monter peut-être d'un cran. Je pense que ça va partir là-dessus. Kim Min-hyuk et Martin Adam ne comprennent pas pourquoi il y a corner pour John Book. Ouais, je t'avoue que je comprends pas non plus. Mais bon, elle a dû être touchée. Ah, et carton jaune pour Kim Min-hyuk pour protestation. Bon, si elle est touchée... Franchement, par qui? Par Martin Adam, visiblement. Non, s'il l'a touché du bras, donc c'est penalty. Attends, attends qu'il regarde au VAR. Ouais, parce qu'il a, il a dit oui, à Martin oui, Adam... Toi, il tombe sur son bras. Il dit à Martin Adam que ça touche son ventre. Et Kim Min-hyuk qui prend un carton jaune, c'est assez sévère quand même. Ouais. Ouais, il y a eu un peu de zèle sur le jaune. Par contre, les corners de John Book... Deuxième poteau, Choyonu, tranquille. Faut peut-être essayer de moins se coller au gardien. Ouais, ça reculer mal, un ouais. petit peu parce que là, il... Bah, c'est pareil, gardien, ils apprennent le concept du si t'arrives lancé, c'est plus dangereux que si t'es déjà arrêté sur la ligne. Quoi. Kazaïchvili qui est passé après ce tacle complètement raté de Boateng et qui va devoir s'arrêter vois, et essayer d'ouvrir à l'opposé vers Adan. Ils ont changé leur façon de tirer parce que là où Petrašek s'est fait hippon, ils étaient plus loin. Oui. Et là, sur les deux derniers, ils sont collés au gardien. C'est un peu bizarre. Ah, ils essayent de varier. Allez, Boateng. Dans l'entrejeu, ça a été trouvé. L'ouverture ratée. Intervention de Ludvigsson. Et au moins, Peksang-ho a essayé de casser une ligne et de lancer ses coéquipiers. Ouais, on n'a pas beaucoup vu ça. Hein. Un peu prévisible ce qu'il a fait. Oui, mais au moins, il a essayé. Au moins, il a essayé. Tout à l'heure... Les deux autres n'essayent pas, quoi. C'est un peu tout seul. Mais tu vois, il est quand même vraiment, je trouve, hein, dans une position un peu entre deux. Hein, Peksang-ho, il n'est pas vraiment 10. On ne sait pas vraiment où il se place. J'ai l'impression que lui-même ne sait pas trop se placer sur le terrain. Là, c'est très compliqué, hein, offensivement. Avec Raphaël Silva. Alors, Raphaël Silva n'est pas un vrai neuf. Non, lui, on n'est voit, pas on un les neuf. Voit alterner dans l'axe, hein, tous les deux en pointe, c'est compliqué. Alors, Gustavo n'est pas là. Je crois que je ne l'ai pas vu sur le banc. Non, il n'est pas sur le banc. Non, c'est ça. Donc, en fait, sur le banc, ils n'ont pas d'attaquant. Parce que Lee Dong-jun et Amano, ce n'est pas des neufs. Alors que Lee Dong-yong sort et Lee Chang-yong rentre, surprenant ce petit changement-là. J'aurais pas forcément fait ça. Et Lee Gyu-sang n'est pas rentré alors qu'il se préparait sur le bord du terrain. En fait, on va pas changer d'organisation, on va juste changer les hommes. Jong-Book a remis le pied sur le ballon. On alterne hein, les séquences. Et toujours 0-0 entre ces deux formations. Adan qui joue bien son rôle de pivot. Peut-être une nouvelle possibilité de jouer. Ça va passer dans le dos de Petrašek qui fait n'importe quoi et ça va faire ouverture du score pour Ulsan. Il a fait n'importe quoi Petrašek et il a laissé partir Homo Sang dans son dos et ça fait 1-0 pour Ulsan. C'est bien joué, mais c'était quand même très lisible hein, cette action. Ah mais complètement. En plus, la passe de Lee Chang-yong, elle n'est pas très appuyée. Et Petrašek, qui fait n'importe quoi et qui surtout souffre de la comparaison de vitesse avec Eun Woo-sang. Et qui... après, la sortie aussi hein, de Kim Jong-un est un peu... Il est piégé, Kim Jong-un, parce que franchement, il arrive de très très loin, Eun Woo-sang. Et Petrašek le laisse passer, en fait.
Bah, Petrašek, non, il est trop lent, il sait pas quoi faire, soit il l'accroche et on est complètement il est trop d'accord. Lent. Il voit qu'il est battu en fait, et il le laisse passer, et c'est vrai que ouais, la sortie. Bah, il sort tout droit en fait, il sort ouais. tout droit, et alors que Wosang a déjà une course qui est sur le côté. Donc non, bah, une mauvaise défense, et premier ballon de Lee Chang-yong, il fait une passe décisive. Voilà, coaching. Et Wosang aussi un remplaçant. À la 22e minute, on se souvient, coaching. Exactement. Et ça fait 1-0 pour les amateurs de surf. Ah, je t'ai vu là-dessus, là. Celle-là, elle est... Ah non, celle-là, est... c'est so sexy, là. On l'a pas vu venir. 1-0 pour Ulsan à 20 gros... Allez, on va dire une vingtaine de minutes de la fin du match, parce qu'il y aura forcément des arrêts de jeu. Et on sentait quand même hein, que Ulsan avait accéléré un petit peu dans cette deuxième période. En tout cas, se montrer plus. La deuxième période est globalement à leur avantage. Hein, ceux qui ont les plus grosses occasions. Un petit peu comme le match, premier match de la saison, où c'était John Book qui avait complètement dominé la première période et qui avait ensuite complètement déjoué en seconde. Et qui, ça va faire all-in ensuite... côté Petrescu. Je sais pas si tu as vu, il y a 3 changements qui se préparent. Ouais. Oui, et alors les 3 changements, j'ai vu qu'il y avait Lee Yong-jung qui va rentrer. Je crois avoir vu. Amano Jun. Bah alors, je comprends pas pourquoi Park Chang-woo va rentrer. Il va peut-être changer. C'est peut-être Kim Jin-soo qui a pas le match entier dans les jambes depuis. Ça me paraît bizarre. À voir qui va faire sortir ou Jang Woo-jae, je sais pas. Il y a 31 000 personnes. Dans le stade. Pas mal. Exactement. Récupération à nouveau Ulsan. Attention au contre à venir parce que là ça va partir. Ouh, il est allé s'empaler. Très bon tacle hein, de Boateng hein, qui ouais. dévie le ballon. Exactement. Et c'était encore Lee Chang-yong hein, qui était passé. Finalement, hein, bon choix. Ouais, bon choix. Bah, parce que lui, pour le coup, casse les lignes. Hein, soit par des passes, soit en percutant. Et on parlait, lui... hein, tu parlais tout à l'heure de Sol Wonggu qui était le seul à amener un petit peu de mouvement et de mobilité de manière générale. Et c'est ce qu'il fait aussi, hein, Lee Chang-yong, dans son match, hein, dans son entrée. Exactement. En fait, lui, il a plus l'habitude de jouer dans ce poste reculé que Lee Dong-yong, donc ça lui convient mieux. Et alors, Park Jin-sop sort. Ah bah alors là, on fait rentrer le offensif là. Ouais. Alors là, pour l'organisation tactique, les amis. Et Lee Dong-jun, il a remplacé Han Kyo-won. Donc Han Kyo-won et Lee Dong-jun, ça va juste s'inverser. Après, je pense que Amano va prendre la place. Baek Seung-ho va descendre, comme on peut ouais, le voir là sur le plan. 10, Amano. Amano va passer 10 et Baek Seung-ho va reculer. Et Park Chang-woo va juste prendre la place de Jang Woo-jae. Il y a eu double changement là. Triple. Il n'y a plus de changement, ils ont tout fait. Donc Park Chang-woo va prendre le côté droit. Exactement. Amano va prendre l'axe. Baek Seung-ho va reculer à la place de... Ouais, c'est ça. Venir en 6-8, là. Et c'était exactement. Le changement, j'ai pas vu. Et ensuite, Han Kyo-won est sorti, remplacé par Lee Dong-jun. Qu'on voyait plus hein, Han Kyo-won dans ce match. Non, on le voyait plus. Très très bonne première mi-temps et disparition totale. Et là normalement ça devrait courir. Là ça va galoper un peu plus sur les ailes hein, côté Ulsan. Il va falloir courir après Lee Dong-jun. De toute façon ils le connaissent bien hein, et Amano Jun aussi ils le connaissent hein, puisque deux anciens joueurs de Ulsan. Alors que Ulsan aussi va faire 3 changements. Jumin Q. On arrive dans ces périodes des matchs que je déteste parce que il y a beaucoup de questions actuellement sur ajouter du temps, machin, avec du rythme et tout et tout. Déjà, on enlève 5 changements et puis ça sera plus simple. C'est exactement ça. On enlève ces sessions de changement qui viennent complètement casser le rythme des matchs. Ça sert à rien d'ajouter du temps si on passe son temps à le couper par des changements. Quoi. Ça sert à rien. Donc, c'est après, pas une question après, de jouer il... longtemps, c'est une question de maintenir un rythme. Et les fins de match, les derniers, généralement, les derniers quarts d'heure,
il n'y a plus de rythme parce qu'il y a de changements tout le temps. Et puis parce que déjà, tu as changé la moitié de l'équipe au cours du match, donc ça n'a plus de sens. Après, ils ont été rapides, les changements de John. Beaucoup la frappe de Son Min-kyu. Belle frappe. En pivot. Belle frappe. Et Petracek était monté. Hein. Ouais. Il a failli se gêner, hein, même avec Son Min-kyu. Futur numéro 9, Petracek. Ah bah, c'est pas toi qui me disais qu'en Corée du Sud, à une époque, tu étais défenseur central et tu finissais avant-centre parce qu'on savait pas qui mettre devant. Shinbuk. Park Dong-jin aussi était un défenseur à la base, à Séoul. Kim Shin-wook était un défenseur central avant de devenir l'attaquant qu'on connaît. Avant de devenir le Wookie. Alors, il était déjà. Mais on est passé d'un Wookie qui prend des cartons rouges à un Wookie qui met des buts. Et d'ailleurs, John Book l'avait utilisé en défense centrale à un moment donné, quand ils avaient trop de blessés. On est dans le dernier quart d'heure de cette partie, 1-0 pour Ulsan. Ça va s'animer encore plus, je pense. Déjà, parce qu'il devrait y avoir un petit peu plus d'espace pour les contres d'Ulsan. Alors, le positionnement de Petracek a complètement changé. Hein. Il est... Je ne sais pas ce qu'il joue comme poste. Bah, là, je pense qu'il est goal volant. Là. Ouais. Parce que là, il n'y a plus aucune rigueur. Hein. Le mec, la zone de Jong Tae-wook, il est en attaque, il est partout. Il est partout. De toute façon, je pense que Petrescu lui a dit de toute façon, tu nous as coûté un but, maintenant fais ce que tu veux. Vas-y, plus rien à foutre. Vite à vie, bonhomme. Allez, on allume les téléphones. Oh, l'impact physique. Alors, c'est peut-être lent les deux, mais physiquement... Ah ouais, physiquement, faut les bouger les deux tours, là. Et on va rappeler que dans les deux autres matchs, il y a toujours 1-1 entre Gangwon et Suwon et qu'il y a toujours 2-1 pour Seoul face à Daegu après 49 minutes de jeu. Exactement. Et Ji Dong-won fait son retour sur le banc de Seoul. C'est à préciser. C'est petite sortie annuelle. Pour Ji Dong-won. Donc Vako va sortir. Shoyun-tek, va le remplacer. Wosong va sortir. Alors j'ai pas compris. J'ai vu un 5 s'afficher, mais il n'y a pas de 5 sur le terrain. Non. Mais j'ai pas compris. J'ai vu un 5 remplacé par le 18. Mais sauf qu'il n'y a pas de 5 sur le terrain. Alors j'ai l'impression que le buteur sort. Alors oui, Wosong sort. Et alors attends, j'ai fumé ou j'ai bien vu un 5? Le 11, oui. Ah non, pardon. Putain, j'arrive pas à lire le tableau. Ah, le 13. Donc c'est Im Yong-jae qui sort. Ouh, okay. Belle intervention de Shoyun-woo. Attention, le centre à venir, c'est pas fini. Petracek de la tête. Petracek qui fait rien. Il faudra que je regarde les changements après parce que j'ai pas tout compris. Effectivement. Non, c'est bon, j'ai réussi à lire les trucs. Im Yong-jae est centré, est sorti. Im Jong-un l'a remplacé. Et le dernier, c'est forcément Jun Min-kyu. Jun Min-kyu est rentré, mais je ne sais pas qui est sorti. J'ai vu Wosong sortir, mais j'ai pas vu qui est sorti pour Jun Min-kyu. Alors que là, c'est en train de se chamailler et qu'il y avait un carton jaune pour Raphaël Silva. J'ai dû mettre une boîte à Sol Yong-woo parce que j'ai pas vu. Et Kim Jin-soo, bien sûr, vient se battre. Oh oui. Voilà, alors là, s'il y a... Oui, oh bah oui. Ouf. Je pense que le coup d'en avant. Sur les images. Ça va être compliqué là pour. Ça va être compliqué pour Raphaël Silva là. Là, je pense que le VAR peut intervenir. Hein. Ouais, c'est bien, ça va me laisser le temps de faire mes changements parce que j'ai pas tout compris au changement. Alors. Ouf, ouais, bah il y a VAR, hein, je pense que. Oh là là, là mais qu'est-ce qu'il a pété une durite là, c'est pas possible. Oh là 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 là, le coup d'en avant, non mais. Bon bah, fin du match. Non, mais c'est hyper dangereux ce qu'il fait.
Ça va être rouge, je pense. Bah là, s'il n'y a pas rouge... Alors, je vais y arriver. Lumé. Remplacé le buteur. Donc, IQ Sanga a remplacé... C'est ce que j'ai sur ma feuille. Ah oui, bah oui, puisque c'est Vaco qui est sorti, pardon. Vaco. Ah non, carton jaune. Ok. 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 Très bien. Même pas rouge. Ok. Bon, écoute, bah, là, la prochaine fois, il y a eu. Sur le plaquage, là, il n'y a pas carton rouge. Bon, tout va bien. Tout va bien. La prochaine fois, attends. Il pourra lui couper la tête. Alors, l'organisation tactique me la demande pas parce qu'il a fait rentrer. Est entré, c'est ça. Ouais, donc là il y a 3 changements et 3 défensifs. Et donc, l'organisation tactique. Et il est entré. Et donc il n'y a plus que Ludvigsson et Adam en attaque. Ouais, je vais pas bouger l'orga tactique qu'on a là parce qu'à mon avis ça va être un peu YOLO. Donc, donc voilà. Bah... Donc, quand on parlait de crise de confiance, je pense qu'on y est complètement là sur les changements. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. Ouais. Ouais, donc là, Wulsan cherche le 1-0. Son 1-0. Est-ce que ça va tenir? On verra. Ben, on va voir. On va voir déjà s'il concède des actions, des occasions. Et en tout cas, ça devrait nous donner une dizaine de minutes. Dans lesquels on s'attend à ce que John Book soit installé dans le camp d'Ulsan. Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose? Est-ce que Paek Sung-ho, qui est redescendu à un poste un petit peu plus... Enfin, un poste qu'il connaît mieux, on va dire. Ou en tout cas, il va savoir se placer. Qu'il connaît mieux, oui, parce que c'est là où il est installé depuis qu'il est revenu en Corée. Voilà, c'est ça. Mais globalement, après, s'il n'y a pas de vitesse dans le jeu de Ulsan, de John Book, ça va pas... Ça va pas aider tout grand monde. Bon centre, on s'est pas bien parlé entre Choyonou et sa défense. Attention à ce ballon qui va revenir. Boateng qui va armer la demi-volée. Ça va passer au ras du poteau. Elle était intéressante, ouais. Cette reprise. Ah ouais, t'as quand même beaucoup de retard sur moi. Bah écoute, ouais, je vais peut-être actualiser. Parce que là, moi, j'ai la frappe, je l'ai vue et je suis déjà dans le 3e, 4e ou 5e ralenti. Là. Ok, alors attends, j'actualise. Je sens qu'on est sur le même site. Oui. Mais après, est-ce que tu as un bloqueur de pub ou pas? Oui. Ah, bon. Bah, je sais pas. Moi, j'en ai 2 d'ouverts. Un qui est un peu plus en retrait pour avoir... si j'ai mal vu, tu vois. Petite technique. Et l'autre qui est en avant. Donc, les 2 sont en avance sur toi. Et ben voilà. Écoute, moi, je suis à 85,07. Voilà. Je suis à 85-12. Aïe, 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 5 secondes d'écart et ça changera tout. Tu verras le prochain but du match avant moi. Et là, je t'ai donné celui qui est le plus en retard. Parce que l'autre, je suis à 85-30 tout de suite. Quand toi, tu es à 5 secondes de retard. Ouais, bah, j'ai 7 secondes de retard sur toi. Donc, ok. Bah écoute, très bien. Moi, je suis dans le futur. C'est ça. Monsieur. Mais en même temps, t'es un bot, tu vois. Parce qu'il faut quand même que les gens se rendent compte qu'ils sont en train de regarder un live piloté par une IA qui discute avec un bot. Ah voilà. Oui. Faut quand même se rendre compte de ce qui se passe ce matin quand même. Bah, je suis LOGPT moi. donc voilà, puisque voilà, je n'existe pas vu que tout ce qui est proposé sur le site est fait, c'est du vol à un créateur, enfin sur YouTube en tout cas. Donc je suis une IA et Baptiste est un bot. Donc voilà. C'est assez particulier. Vous êtes dans le futur, messieurs, dames, qui nous écoutez. Vous êtes en train d'avoir une retransmission d'un match dans le futur. C'est comme ça qu'on suivra le match plus tard. C'est l'avenir. On fait des tests pour la FIFA. Exactement. Parce que nous sommes précurseurs. On a inventé, Baptiste parlait de LOGPT, on a inventé ça avant tout le monde. Avant même que les gens aient l'idée du concept. Puisque voilà, hein, pour YouTube, on ne fait que voler du contenu à un créateur. Un créateur, hein, pas des créateurs, un créateur. C'est l'avertissement que j'ai reçu, c'est un créateur. Enfin, c'est pas l'avertissement, c'est l'explication de la sanction. Donc voilà. On ne connaît pas. Évidemment. Ah bah non. Bah non, ça aurait été trop facile de nous montrer le contenu qu'on avait volé. Ça aurait été intéressant. Bah oui. Peut-être que ça se trouve, c'était pas moi qui étais en Corée. T'imagines?
T'imagines? C'est pas moi. Et on n'est pas allé, dans tous les pays où on est allé, t'imagines? Ça n'existe pas. Tout ce qu'on a fait n'existe pas. Ouais. Ça a été fait par quelqu'un d'autre. L'Inside Suwon fait par quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est ça. Avec mes photos? Oui. Non, bah, enfin, avec ses photos à lui. Ah bah oui. D'ailleurs, les photos que t'as toi sur ton appareil. Les photos que t'as sur ton appareil, sur mon téléphone. Non, ce sont pas les tiennes. Ah non. Ouh, Shoyongu encore. Mais c'est ça le principe. Mais tu sais que, enfin voilà, c'est ce que j'explique dans la vidéo sur YouTube. C'est-à-dire qu'eux, ils me réclament que je montre comment on conçoit nos émissions, que je montre des rushs, que voilà. Non mais c'est bon les gars, allez vous faire foutre. Et comme je dis quoi, s'ils ont sanctionné parce qu'on vole du contenu, bah montrez-moi le contenu volé. C'est ça, mais c'est la justice. C'est de maintenant que t'as été accusé et que eux te confirment que t'es fautif, va prouver le contraire. Bah non, mais voilà, moi j'aimerais bien savoir quel contenu j'ai volé. Tu vois? Donc, bah écoute, voilà. Donc on va rester là. Attention à la reprise de Raphaël Silva qui te cadre pas. C'est mon IA. Ouais, non, c'est ça. Vous êtes, bah comme dit ma foi, hein, vous êtes en train de faire un live science-fiction. Ça va être dans le futur avec que des gens qui n'existent pas. Et d'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que ce match a vraiment lieu? Peut-être que ce sont des IA et peut-être que c'est la nouvelle version de Football Manager qu'on est en train de regarder. On est en train de regarder autre chose. Et que moi je contrôle Ulsan et que Nico contrôle John Book. C'est pour ça que c'est nul d'ailleurs. Ah oui, c'est pour ça. C'est ça que les changements ont ni queue ni tête. On a juste regardé la barre de s'ils étaient fatigués, là, la barre de fatigue. Ils étaient à 60%, hop, on les a sortis. On les a sortis pour pas qu'ils soient blessés au prochain match. Exactement. Mais normalement, ils se blesseront pour 6 mois dès qu'on va arriver dans la... Oh là là, oh, ça va se... Oh là là, ça part en bagarre. Ouh, ah bah, il faut dire que Petrashek, voilà. Alors, Kim Jin-soo... Ah oui, non, Kim Jin-soo est arrivé pour éviter que Lee Chang-yong s'énerve. Martina Dapp... Ah oui, mais il a le nez qui saigne, Petrashek. Ah non, c'est un... Non, c'est une luminosité. Ouais. Je croyais qu'en mettant un c'est coup, un, il c'est avait... C'est un concept, hein, quand même, Thomas Petrashek, hein. Oui, bah, on a un peu de mal à comprendre son arrivée. Hein. C'est... Je pense que quand... Bon, après, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Ah, mais il est en retard. Oui, mais il le touche pas, quoi. Je pense qu'il lui prend le bout du pied. Hein. Ouais. Quand la semelle sur le pied, il la prend. Après, on est d'accord, il n'y a pas agression. Il lui pète pas la jambe. Mais bon, il y va semelle en avant, quand même. Oui, non, mais il y a faute, c'est sûr. Mais il n'y a pas de quoi s'énerver comme s'est énervé Lee Chang-yong. Oui, ça, on est d'accord. Mais c'est pour garder de l'influx. Le voilà, d'ailleurs, Lee Chang-yong, voilà. Qui est dans le côté. Et il va y avoir Song de l'influx, je pense. Il va obtenir Song Min-kyu qui est venu se venger, et ça continue de se battre. 6 minutes de temps additionnel. Ouais, il s'est vengé, pareil, il n'y a pas une grosse faute. Hein. Non, c'est comme disait Makelele, laisse-les te faire mal, nous on s'en occupe derrière. Bah, c'est ce qu'il a fait. Voilà, il l'a poussé. Il a mis un bon petit coup d'épaule, voilà, ça va. Bah, ça reste du foot, hein. Bah, c'est ça. Puis après, c'est le grand classique, c'est-à-dire qu'il va enterrer le ballon au poteau de corner, donc généralement, on sait comment ça termine. Ça termine avec un mec qui en a plein le cul et qui vient mettre une boîte. Donc, et qui voilà. Derrière, en plus, récupère le ballon. Voilà. Parce que je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais il a essayé d'avoir un corner. Mais il s'est passé entre les jambes du défenseur. Entre les jambes ou à côté, ça a été évité par le défenseur qui était devant lui, donc il n'a pas eu le corner, donc c'était ridicule. Et attention, parce que ça a peut-être donné une possibilité à John Book. On est dans le temps additionnel, hein. 6 minutes de temps additionnel, on en a déjà mangé une. Le centre, on va y arriver, me semble avoir été dévié pour avoir une trajectoire pareille et va terminer tranquillement dans les bras de Shoyonu. Je pense que plutôt que de faire du... Quand ils veulent compter du temps, j'espère qu'ils vont compter le temps pris par les gardiens. C'est infaisable, ça. Parce que les gardiens, la règle des 10 secondes... Oh, attention. Oh, attention, il est passé, Lee Chang-yong. Il est à 1 contre 1, il attend sur le deuxième poteau. C'est mal joué, Adan qui récupère. Je comprends pas pourquoi il a pas frappé. Je pense qu'il veut gagner du temps. Parce qu'il a pas beaucoup couru. Hein. Mais c'est complètement idiot. Il est à 5 mètres du but, il peut envoyer une grosse mine. Ah oui, en plus, il y a une énorme main de Kim Jin-soo sur l'action.
Oui, mais il est passé, donc avantage. Mais oui, derrière, oui. Derrière, il doit mettre une énorme mine. Je pense qu'il aurait préféré avoir le coup franc. Oui, pour enterrer le chrono, mais enfin, tu sais que tu peux marquer et faire 2-0 et c'est plié le match. Hein. Ouais, mais il a pas pensé comme ça. Voilà. Ok. Alors, Amano qui court en demandant le ballon. En fait, j'ai l'impression que tous ne jouent pas. Enfin, c'est pas, ça fait pas équipe en fait. C'est un, deux joueurs qui jouent de chaque côté et c'est les sûr. Autres qui sont autour. C'est surtout qu'il fait son appel alors que son pote a pas encore le ballon dans les mains, quoi. Et là, on a une superbe. Il fait son appel à Mano alors que son coéquipier a pas encore récupéré le ballon pour faire la touche. Ah oui, c'est qu'ils sont. Enfin, ils jouent pas dans. Ils jouent... Comme disait. Il n'a peut-être pas le même stream, le mec qui contrôle Amano. C'est ça. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont dans le Zing et les autres sont dans le Yang, ouais. Ou je sais pas quoi. Là. C'est Jean-Michel Larqué qui disait le ça. Le Zig et le Zag. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il lui a donné dans le Zig, mais il fallait le donner dans le Zag. Voilà. Ah, mais là, c'était marrant, mais je pense qu'il y en a un qui a du lag en fait. Il est comme moi, il y en a un qui a 7 secondes de retard. C'est celui qui faisait la touche. Eh ben oui. C'est moi en fait. Tu fais pas d'effort. Ah non, je fais pas d'effort. Allez, Petrašek. Il reste 2-30. Mais elle est pas mal cette nouvelle moulure du FIFA 2024. Elle est pas mal, hein. Il est assez réaliste. Assez réaliste. D'ailleurs, je devrais changer le. Je devrais changer le classement du live, tu vois, le mettre à FIFA 24. Eh ben oui. Non, d'ailleurs, ça s'appelle plus comme ça. C'est combien? Comment déjà maintenant? AFC, un truc comme ça. IFC. IFC 24. Ça a l'air bien dégueulasse quand même, hein, mine de rien. Ça fait penser à un truc de combat. IFC. Ouais. C'est MMR, UFC. C'est vrai. Et le jeu a pas l'air fifou. Hein. Bon, après, FIFA, il y a un moment que ça plus. C'est pas fifou. Hein, mais faut pas le dire. Bah non, et comme il n'y a pas de concurrent. C'est ça. Vivement que Touquet se mette à faire des jeux de foot. Ouais, ou pas. Ah bah si, les jeux de sport de Touquet, ils sont bien. Je sais pas. Ah bah les golfs, ils étaient géniaux. Le basket NBA Touquet, c'est génial. NBA, j'y ai joué une fois avec mon fils, j'ai mis une tôle et on a désinstallé le jeu. Donc. Bah oui, mais bon. S'il veut plus y jouer. Et non, non. Mais... Touquet fait des bons jeux. Alors aujourd'hui, c'est des jeux un peu pay to win. Parce qu'ils sont seuls, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais. Ouais, donc, on a pas de problème en fait. Ah, en fait, si tu es dans ta carrière, si tu veux jouer en ligne, tu payes. Mais après, le contenu du jeu en lui-même est génial. Alors que Suwon vient de mettre le deuxième but en toute fin de match. Donc 2-1 pour Suwon, hein, c'est ça. 2-1. Cruel pour Gangwon, là, pour le coup. Et là, ici, on essaye du côté de John Book. On essaye d'avoir le ballon. Ils essayent même pas de s'approcher, ils essayent d'avoir le ballon. Oh là là. Oh, Lee Chung-yong, ce qu'il vient de faire, il va se faire découper. Non, et Adan qui tente une frappe de 40 mètres. Ça fait gagner du temps. C'est juste pour avoir une frappe cadrée dans le match, parce que sinon, il n'en aurait pas eu. Mais regarde, ça fait gagner du temps, parce qu'elle n'est pas très rapide. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, ça a deux avantages. C'est la frappe cadrée et un peu de gain de temps. Et il reste 30 secondes à John Book, qui n'arrive pas à s'approcher. Alors, en même temps, ça fait un moment qu'ils ont du mal à s'approcher. Boateng, il fait pas d'accélération. Je pense qu'il est cuit. Ouais, il est cramé, Boateng. Tu sens déjà dans la façon dont il se déplace que c'est compliqué. Ça a été contré, deuxième chance, la frappe, elle est déviée peut-être corner. Amano, qui avait frappé, non. Je sais pas. Non, non, elle a il l'air donne bizarre, pas corner. La trajectoire quand même de la frappe d'Amano. Et on a je mangé les 6 minutes. Et je pense qu'il y a une petite main aussi sur le... Et c'est fini. Ouais, c'est terminé. Et c'est fini. Ah, une victoire qui va faire du bien. Poulsen. Ouais, c'est et terminé. Et des gros regrets pour John Book. Sur cette victoire, donc 1-0, on le disait, Doulsan. Oui, il va y avoir des regrets pour John Book. On va l'analyser dans 2 secondes. 1-0, j'ai déjà oublié le nom du buteur. Il est plus à mon nom. Ça commence par un U. Je vais le retrouver, c'est pas grave. M-5. Il est numéro 11. M-5, c'est bon. je laisse Baptiste faire exactement ce que sont en train de faire les filles à l'écran géant d'Ulsan pour activer les pour faire signe aux gens d'activer les de bouger les bras avec les téléphones pour célébrer cette victoire. Victoire 1-0 des Tigres. Un match en deux temps, hein, Baptiste, on peut le dire, avec une première mi-temps remportée au point entre guillemets par John Book, qui aurait même peut-être dû mener au score.
Si les Green Warriors avaient montré un petit peu plus de justesse. Et une deuxième mi-temps, finalement, contrôlée par Ulsan, en fait. Bah exactement. Un peu une récidive du match. Match d'ouverture du championnat. Chaque équipe a eu sa mi-temps et finalement le plus réaliste l'a emporté. Et le plus réaliste, ça a été Ulsan qui a profité d'une énorme erreur, enfin d'une défense catastrophique de Petrašek, qui continue de mettre des points. Hein, le bonhomme, là, depuis qu'il est arrivé, je pense que ça va pas faire long feu. Après tu vois, pour Petrašek, on disait la fois où on l'a vu arriver, faire ses débuts, l'histoire de je mets 8 jours avec cette histoire de chasuble, je me fais engueuler parce que je suis pas prêt pour entrer, j'entre, je concède un penalty, ça te met pas psychologiquement dans les bonnes prédispositions. Et on se disait, bon, ça pourrait être vite compliqué. Et voilà, il enchaîne les ratés. En fait, il y a départ raté et forcément, derrière, la course, elle est ratée pour l'instant. Elle est ratée et en plus c'est dans un secteur, on ne comprend pas trop pourquoi ils ont recruté John Book parce qu'il y a ce qu'il faut, mais bon voilà, finalement Ulsan a pas fait non plus un gros match, mais a profité de la vitesse de Moosang et de la lenteur de la défense de John Book sur une action, et ils ont fait le strict minimum. Alors psychologiquement et mentalement, ça leur fait du bien. Mais après, dans le jeu, on n'est pas rassuré. Il va falloir quand même montrer beaucoup plus pour continuer d'aller, continuer d'avoir cette avance au classement, ne pas risquer un retour des adversaires. Ouais, exactement. Parce que même si John Book n'était pas un danger, Pohang peut le rester dans la configuration de la K-League aujourd'hui. Donc il faut qu'il fasse attention. Ouais, parce que là pour le coup, cette victoire, elle est essentielle pour Ulsan. Elle leur donne provisoirement 14 points d'avance parce que Pohang joue demain contre Daejeon. Elle marque un coup d'arrêt pour John Book. Elle fait mal entre guillemets. Bon, même si Gwangju a perdu derrière. Non, elle fait match nul Gwangju, c'est ça. Hein. Ouais, 2-2. Donc est-ce que ça menace la troisième place de John Book? Oui, parce que Séoul va revenir. Oui. Oui, puisque Séoul est en train de gagner. Donc si Séoul gagne, Séoul passe devant, parce que Séoul a la deuxième meilleure attaque du championnat. Donc, ouais. C'est dingue à dire, hein, mais Séoul a la deuxième meilleure attaque du championnat, sans numéro 9. C'est vrai. Et donc, c'est catastrophique. On parlait au début du match des enjeux de cette rencontre. Bon, pour Ulsan, il suffisait d'arrêter une dynamique et d'éviter de se mettre une grosse pression. Mais il va quand même falloir rester concentré sur la suite. On va peut-être pouvoir s'appuyer sur la deuxième période du côté des Tigres, sur la façon dont elle a été gérée face à John Book. Pour John Book, la lutte pour l'ACL, ça va se compliquer. Enfin, ça va se compliquer déjà pour aller chercher la deuxième place, parce que si Pohang s'impose demain, ça commencera à faire un écart de 8 points. Donc ça va commencer à compter aussi, et il va falloir aussi regarder du côté derrière, hein. Et on rappelle que dans 4 journées, c'est ça, 5 journées, dans 6 matchs, on basculera sur la fin avec les 6 premiers qui s'affronteront entre eux. Et attention, parce que John Book n'est pas assuré dans le top, d'être dans le top 6, hein, parce que Daejeon n'est qu'à 5 points. C'est vrai. Et le point des jeunes de demain est intéressant par rapport à cela, parce qu'il peut venir mettre la pression, soit entre guillemets maintenir la pression sur Ulsan si Pohang s'impose, soit venir mettre la pression sur tout ce groupe là, John Book, Gwangju, Seoul, Incheon, avec globalement, un potentiel retour de Daejeon. Globalement, entre John Book 41 et Daegu qui est 9e, il y a 7 points d'écart. C'est ça. Donc entre le 3e et le 9e, il y a 7 points d'écart. Il n'y aura que 4 équipes qui seront dans le top 6. C'est ça. Et il y a donc 4. Il y aura 3 équipes 7, qui resteront équipes sur qui le carreau. Ouais, exactement. Voilà. Donc voilà. Donc ça va nous promettre un sprint final hyper intéressant. Voilà, pour ce live K-League, cette victoire d'Ulsan, notre rendez-vous habituel du choc entre Ulsan et John Book, qui n'a pas forcément tout le temps les mêmes enjeux, mais vous voyez qu'il y a toujours des enjeux autour de ce match. Forcément. Merci Baptiste de m'avoir accompagné ce matin. Merci à toi de t'être levé à cette heure très
très... Bah, on sait pas. Si. Attends, midi, c'est très tôt. Bah, ça dépend. Hein. S'il y a... Alors, pour dire les choses très clairement, si je ne travaille pas le matin, si j'ai pas un truc à faire le matin, et que je finis un live à 5h30, ouais, je me lève vers 11h, 11h30. J'aurais été prêt, tu vois, pour ce match-là. Mais sinon, sinon, non. Là, tu vois, ce matin, j'étais prêt avant. Vraiment, pour le coup. Hello Breakfast. Prochaine émission, la matinale d'Hello. Ah, putain, ouais. Un jour, peut-être. Bah, peut-être, peut-être. On sait jamais, peut-être. Je réfléchis à des trucs, donc peut-être. Peut-être qu'il y aura un truc matinal, machin. On verra bien. Bref, on va en rester là. Merci à tous ceux qui ont été dans le chat. Merci à ceux qui sont passés, qui nous ont écoutés, ceux qui écouteront les replays. N'oubliez pas de lâcher des follow partout où vous nous écoutez, de sub sur Kick si vous le pouvez. C'est bien plus avantageux pour nous que partout ailleurs. Bon, en même temps, sur YouTube, je crois qu'on peut plus. Et sur Twitch, ça sert à rien, vu qu'en ce moment, on n'y fait rien. Donc voilà, il vaut mieux que vous lâchiez ici parce que, ben, on l'a déjà dit, hein, mais Kick ne prend rien en fait. Pour vous donner, parce qu'on l'a vu sur les deux premiers subs qu'on a eu, en fait c'est juste les commissions que prend la plateforme Stripe. En fait, c'est une plateforme de paiement, celle qu'on utilise sur la boutique Hello par exemple, qui prend une commission sur les subs, et c'est la seule chose qui nous est en, qu'on perd en fait, et qui nous laisse tout le reste concrètement. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. On va vous donner rendez-vous ce soir 23h50 à peu près, parce que je crois que le premier match est à minuit. Je vais juste aller vérifier très rapidement, histoire de pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Il me semble que le Philadelphia Rayados est à minuit, c'est ça. On va se faire la soirée League Cup avec le match pour la troisième place entre Philadelphie et les Rayados. Ensuite, il y aura la finale qui on verra directement en finale de Libertadores et de Ligue des Champions. Pour l'Inter Miami, s'il s'impose face à Nashville, ça sera la nuit. Leagues Cup, rendez-vous 23h50. D'ici là, bah écoutez, continuez à mater le foot que vous avez envie de mater. On se donne rendez-vous donc ce soir. Merci à tous, merci Baptiste, merci à tous. Et à très très vite pour un nouveau rendez-vous avec la K-League. Salut tout le monde.